Attends, c'est dit que je stream encore. Ah, mais donc ça streamait encore. Oh, j'en rêve encore. Ah, c'est quoi ça déjà? Encore, encore. C'est quoi ce truc? Putain, dis-moi! J'en rêve encore, oh, j'en rêve encore. Putain, c'est qui chantait ça? Putain, merde. Tu vous as glitché? Là, je crois que je suis plus en direct, hein, mais d'accord. On peut regarder hein, si je hausse ou quoi. Parce que là, ça dit que j'héberge KD. Stream là? Bah oui, ça stream. C'est Internet en fait. De nos jours, avec Internet, on peut diffuser du contenu en direct. Et c'est bon Ah! là? Ah, Quand la vous êtes, si caméra. vous êtes sur Benzaï Live, vous voyez Monsieur Karaté? Ah! Attends, faut avancer ça un peu. Ouais, non, c'est bon, ça dit que je te hoste déjà. Nickel. Là. Pouah, j'ai l'air mince, c'est cool. J'ai l'air mince. Ah. Voilà. Bon, karaté. Les gens nous entendent bien. Ah ouais, ça a l'air cool. C'est quoi le micro? Qu'est-ce qui C'est fait le le micro? micro La cam? from the caméra. Oh, ça doit pas être trop mal, non? Non, franchement, il est propre. Hein. Hier, on a, en C'est fait, sûrement pire. comme c'est calme et bien insonorisé, ça va, tu vois. C'est surtout la Ah oui, pièce qui c'est fait. De Palma. C'est De Palma. Gérald De Palma. Ah oui, de Palma. Oh, j'en rêve encore. Un frère de La Réunion. La Réunion. Et Et Bombo, c'est un malgache, non, c'est pas un vrai mec de La comme Réunion. David Chaban. Comme David Chaban, bien sûr, qu'on salue, Ton qui salut. est forcément dégoûté qu'on soit au Japon, Ah parce que oui, lui, pourquoi c'est il est son pas rêve. venu? Et on n'a pas, il fallait faire 100 000 euros. Pour le débloquer, que pour lui, Ah hein. bah En oui, plus, en hein, plus, bah mais. oui, c'est ça, à 400%, on faisait ça. David Chaban. Le gars sûr. Alors bon, les amis. Moi, je sais pas comment Karaté anime ses streams, mais Moi, je moi n'anime j'ai des pas. choses à vous montrer. Attends, je vais tweeter qu'on stream. C'est bien Ouais, ça. ouais. Moi, je vais te retweeter que tu streams. On est en Sachant que j'avais partagé mon direct stream. avec l'influenceur. C'est bien ça. Il n'est pas ignoble ce mot, Ah, si, l'affluent. si. Tu me suis? Benzaï. Twitch.tv Monsieur Karaté. Hashtag. C'est quoi un hashtag? Hashtag Karatweet. Et là, on fait une photo d'influence. Ah, tu mets une photo en plus. Parce que tu sais, quand il y a juste le lien du Twitch, sur Twitter, ça fait la miniature du Twitch, donc c'est le plus gros à cliquer. Tu crois? Moi, c'est ce que je fais. Mais ça marche pas. C'est l'impression qu'on a des petits yeux, hein, il est 1h30 du matin. Oh, c'est le pire tweet de l'histoire, il est donc parfait. Bon, on a des trucs à vous montrer là, parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Alors, Ben. par quoi on commence? Ouais, j'ai vidé. Par quoi on commence? Parce que ça risque de durer, hein, faut tout J'ai montrer. vidé des choses là. Alors on est passé par Uniqlo et deux autres Bon, on boutiques. fait ça en quoi? Ouais, En premier, en alors là on dernier? sort d'un Don Ah, Quichotte. parce qu'attends, faut savoir, il y a plusieurs pochettes, les amis. Ouais, faut voter. Il y a Uniqlo, il y a Don Quixote. Et il y a le rétro gaming du tournage d'aujourd'hui, Hard Looters, de la boutique, Et des jouets aussi. des boutiques et des Donc jouets. on peut faire game, toys, fringues et chiasse de Don Quixote. À vous de choisir si vous préférez, ce que vous préférez, les petites chiasses L'ordre, dans l'ordre, dans oui. l'ordre, voilà. Les chiasses d'abord, les fringues d'abord. Les fringues c'est moins long, hein, parce que Uniqlo, on est arrivé à la fermeture. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub. Don Quichotte, J'en profite pour faire la pub quand même de ce t-shirt un de Star connaisseur. Barbare dessiné par Star Harry Barbare. Partridge, qui est beau quand même. Hein. Faut dire ce Pourquoi qu'il y a, il est il est en mode classe. Hein. Broly? Parce que lui, il est vénère et l'autre Star Barbare, il a un truc un peu plus en mode gazou, quoi. Il a un truc tout violet où t'as le cochon de Star Barbare qui est là, yes, et c'est en Mais mode c'est le même Miami et tout. perso? Non, c'est pas le même perso, c'est. Tu sais, ils sont deux les Star Barbare en fait. T'as jamais regardé, mais. J'ai jamais Ils sont deux. regardé. Lui, il est doublé par Bob Lennon et moi, je double le cochon bleu. Ah. Le cochon qui parle comme ça!
D'accord, ok. Voilà, on a les amis qu'on choisit. Bon, les gens, ils ont dit des chiasses. Je vois beaucoup du truc pour les chiasses. Ouais, les chiasses. Les Mais en même chiasses à la temps, fin. on vient d'arriver, quoi. Enfin, on Vas-y. en sort, donc nous, les chiasses, elles sont. Elles sont fraîches. Bon, déjà. Déjà, un Alors, vous must-have. tapez un si vous voulez que Karaté essaye ça. Non, les gens voudront pas. Je pense pas qu'ils sont comme ça, les gens. Personne De raisonnable, de raisonnable, hein? de Guillaume de raisonnable. Voilà, c'est ça. Je voudrais qu'on essaye ce genre de perruque. Il n'y a pas eu autre chose que des 1. Hein. C'est même pas un mec pour soutenir la cause, il Un aurait mec a dit dit deux. En même temps, j'ai pas dit ce que faisaient les autres options. deux. C'est vrai. Deux, c'est de la garde. Il la garde pour tout le On lui séjour. glue. Voilà, c'est ça, on lui glue à la tête. Il y a des trucs pétés. Donc explique un Salam peu. shalom jab bless, Explique je aux te gens qui donne connaissent ça. pas ce que c'est Don Quixote. Alors donc, Quirote, c'est le meilleur magasin de la Terre. C'est, comment dirais-je, c'est comme si vous aviez une La Foire Fouille ou un Gigastore ouvert 24 heures sur 24 et avec des merdes à la Jap, Infini. à la Jap infinie. Mais y compris de la bouffe, hein. Oui, il y a Tu de peux tout. acheter 50 000 Ça KitKat. fait, c'est un immeuble. En fait, en général, c'est un immeuble. Il y a genre 7 étages. T'as l'étage maquillage, bouffe, vêtements, électronique, jeux vidéo. Il y a quoi? Il y a les Valises, DVD. Il y a les chaussettes, DVD, il y a les ouais. montres, il y a les appareils électroménagers, il y a. Les vapotes, enfin c'est vraiment, Ouais, il y a tout, quoi. Tout ce qui existe. des trucs un peu Bon. olé-olé. Oui, il y a beaucoup de trucs différents. Ouais, Il y a du c'est. tanga, des trucs à mettre pour tes copines, là. C'est bizarre un peu, ouais. Allez. Quoi? Allez. Moi? Ah ben oui, toi. Ah Les bon? gens, ils ont tapé un. Ça, j'aime bien quand karaté, il se plie à la décision. Non, mais moi je veux À la bien. décision. Si tu veux, tu peux sortir du cadre et la mettre et Voilà, revenir. bah, tout le monde le sait que je suis chauve, voyons. C'est meublé pour je vous Ouais, êtes bah, chaud, je suis chauve! mes yeux. Je n'ai aucunement honte de ma chauvitude, hein. Mais là, fou. Oh Est-ce qu'il y a un charisme ou pas? Night in the town! Avec les lunettes! Il le C'est pas sait! possible, quoi. Ne le Il prends au sérieux. le sait! Je vois rien! Putain, je vois rien avec. Putain, t'es vraiment. Ouh! Là, tu peux faire Kunio Kun aventure, quoi. C'est genre le film. Invincible ou bien? Attends, où c'est que j'ai mis. Ton téléphone? Non, mes lunettes. Ben oui, t'as peut-être la lunette. Non, mais si tu me retrouves le caca, les lunettes de Kakarot. Ah, voilà, attends, non, ça c'est des tons. Oui, qu'elles sont là. Non, mais les lunettes de Vegeta. Ah, t'es Ah, qui c'est à là. toi là? Parce que moi, je peux dire que sa force a grandement dépassé les 9 000 unités! Les unités. Plus de 9 000 n'a pas. Voilà. Oh purée. Voilà. Donc merci pour l'argent. Mais Ouais, ça te va bien? bah, bien sûr, ça me va Alors bien. attends, si on fait style en fait, pardon, Je vous en prie. si on te donne un peu plus de front, tu vois, pour que ce soit pas le mec, tu vois, genre que ce soit pas irréaliste non plus, quoi, genre que c'est style quelqu'un des cheveux comme ça, mais. Il n'y a pas de problème, quoi. Je vois pas ce qui choque en fait. Karaté la geisha? Non, tu trouves ça fait geisha? En fait, en contre-plongée, oui, mais regardez. Et en fait, ça fait comme geisha. Vas-y, en contre-plongée, regarde la cam là devant vous. Bon, voilà. Donc ça c'est déjà, ça c'est un beau loot déjà. C'est un boule. Par contre, Ça coûtait que fou, 2000 yens. ça donne chaud, hein. Ah bah si t'as pas l'habitude d'avoir les cheveux couverts, ouais. Putain, mais. Enlève, j'ai chaud.
T'as pas de pouls, hein? Ah! Non, par contre, j'ai la gale. Ah, nickel. Nickelu. Nickelu. Ah putain. Nickelu, Odéon. Alors, on a d'autres choses. Ça, c'est le loup de fringue. On l'a un peu montré. Mince, Niclou. C'est là. Ah, donc il rote. Donc il rote. Ouais, c'est une espèce de farfouille géante sur 4 étages, 8 étages. Il y a tous les Chinois de la Terre dedans. Tu peux tout détaxer. Personne parle anglais pourtant. Moi, c'est mon magasin préféré. Hein. Ah, mais Chaque j'adore. année, j'y vais depuis des années. Il faut C'est là. on y allait pour acheter un adaptateur secteur pour le Japon. Et on a passé 1 heure et on a acheté que de la merde. Ah, sauf ça. Ça, c'est stylé. Alors, justement, on va l'ouvrir parce que ça peut être l'un ou l'autre. Regardez. C'est des vivariums Kirby 54. Et en fait, c'est t'as Kirby dans la petite boule de cristal, ou alors c'est Waddle Dee avec Ah, Kirby c'est dans la l'un ou l'autre, fontaine. Ouais, je crois. Alors, j'espère que c'est celui-là, mais j'ai l'impression que tu vois, ils ont l'air de dire qu'il y en a deux, quoi. Du coup, tu vas me donner un petit Un truc ton pour Opinel, découper. PP. Bien sûr, je l'ai toujours sur moi. Je n'ai pas d'opinel. Tu peux essayer ça, non? Tu le plantes. Faut planter. Non, je préfère enlever les croûtes, là. Ah, d'accord. Les deux écoles. Ouais. De toute façon, je vais niquer le truc. Ah. Oh, Tarmac BE, ça va les frères de Tarmac? N'hésitez pas à follow Tarmac, hein, c'est les frères. Aïe! Aïe! Quelqu'un demande si on a bu. Non, enfin, j'ai bu du thé, moi, personnellement. Mais c'est pire, en fait, quand t'as pas bu, parce que ça veut dire que t'es comme ça tout le temps. Mais oui, c'est tout le temps Moi, quand... bizarre. Voilà, c'est ça! C'est genre, ah, t'es juste con. Bon, d'accord. Bon bah, fais chier. C'est dommage. Ah, même quand t'as pas bu, t'es comme ça? Ben oui, voilà. Bon. Bon, je vais te rattraper, je vais boire, quoi. Cool baby goat, merci pour la substantification. Ah non, il a donné un sub à Squirtune magicien, Ah, bah ça putain. c'est cool, c'est la famille. Oh, mais il est où Squirtune? On l'a pas vu. Oh putain, oh, je suis trop content. Mais attends, mais j'ai l'impression que c'est un truc de ouf. En fait, c'est C'est les les deux deux, dioramas. c'est les deux, ouais. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Night in the town. Vas-y, je pense que tu peux baisser la caméra pour. Je l'ai cassé ou pas? Ah oui, je crois. Non. De toute façon, ça se recolle, ça. De toute façon, ça se Ah recolle. putain, il y a les deux quoi! Ça. Ben non, regarde, il n'y a que Kirby et puis ses amis là. Non, il n'y en a qu'un. Mais... ça peut être la nuit quoi. Waouh! De la chiasse qui ne sert à rien, qui est donc indispensable. Non, mais les trucs Kirby, moi je résiste pas. C'est comme toi avec Aralé en fait, genre. Ah bon? Ben, c'est moins rare donc j'achète pas tout ce qui passe parce que sinon c'est fini. Mais regarde, c'est chou, quoi. Oh là là, non, mais si ça, c'est pas tes mains, c'est que t'as jamais eu de la Game Boy, quoi. Regarde ça. Moi j'aimais bien Kirby Pinball. Hmm. Super jeu de C'est pas Game Kirby Boy. Block Ball? Non. Moi, je crois. Je crois que c'est Block Ball. Ah, ou Block Ball, c'est le jeu de golf, non? Non, moi je parle du Du Pinball flipper sur Game sur Boy. Ouais, sur Game Game Boy. Boy. Il était trop bien. Et tu l'as joué à celui, tu sais, Tumble là, machin là, celui où il a. Tu sais, tu dois bouger la cartouche et tout là. Ah, je vois ce Putain, que mais tu il y veux a ce. dire. Regarde ce poisson! Il est pas mirifique quoi. Le hibou, il est derrière là, il vole derrière eux. Et toi, ça, tu... Ah, moi, Voilà. mais ça, je le mets sur mon bureau, je le regarde toute la journée. Tiens, dans ton fion là. C'est trop bien. Mais attends, après je comprends pas ce qu'il faut avec. Genre je le mets là-dedans. Là. Non! Ou tu le mets en mode... Ouais, Et voilà, voilà, c'est ça. chatty. C'est trop bien. Regarde comme c'est chou. Vous Pas avez ça chou. trop génial quoi. Ah, mais il est mal collé ou tu l'as baisé? Je crois que je l'ai baisé. Non mais regarde ça, comment c'est trop mignon. Pouah, moi je suis trop refait. Hein. Voilà. Si vous aussi vous êtes dépendant,
Veuillez composer le Mais numéro regarde comme c'est qui s'affiche sur chouette, votre c'est trop écran. cool. On peut sauver des âmes. Oh là là. Non, on veut Combien? ça. 2000 yens celui-là. Donc 15 balles. Raisonnable? C'est très raisonnable. Pour un truc qui sert à rien. Bah, il n'y a rien qui sert à quelque chose. Et ouais. Pourquoi ça sert de vivre si on va mourir? Ça, Déjà, de base. genre, Si tu commences par là. t'as pas besoin de bonnet, t'as pas besoin d'acheter des vêtements, t'as pas besoin de te doucher. La neige, faut imaginer. Indispensable. C'est un indispensable. Ah non, moi je kiffe. De toute façon, les petits vivariums, là, les versions Pokémon et tout, elles sont craquées, quoi. Vous en foutez. Il y a ceux qui kiffent Tu pas. vois bien que ça ne rentre pas dedans, tu es en train de déchirer le truc pour le. Et Allez, hop, ça ça c'est alors? rangé. Ça c'est Oh, je vais boire indispensable ça. ou pas? Vas-y, tu le mets ou pas? Moi? Bon, je le Mets-le, mais c'est moi qui pomponne. regardez, donc ceux qui connaissent pas Somiko Gurashi, c'est cette bande de petits personnages mignons là, qui sont très kawaii, qui sont pas faits par Sanrio, c'est-à-dire tu sais Hello Kitty tout ça, c'est une autre marque. D'accord. Et c'est donc c'est les animaux du coin. Ils sont dans le coin, ils font pas chier, ils sont chez personne. Du coup, t'as un ours blanc qui a toujours froid, un petit brin d'herbe qui pense qu'il va devenir une fleur, un kappa, un espèce de truc d'axolote, un brin de poussière qui fait chier, et un bout de tonkatsu qui est resté au milieu de l'assiette. C'est le bout de tonkatsu trop grillé. Et du coup, c'est un de mes mains. Et ça, on stream, les amis. Et il peut faire bravo. C'est tellement de la merde. T'imagines, genre t'es là genre, oh c'est pas la G. Ouais, je suis trop heureux. En stream, dans le compte, genre merci pour le sub, c'est trop bien. C'est trop pété. Ouh. Combien? Not in the town. 2000 yens, je crois. 2000 yens. Un état géo, il dit c'est génial. Oui, non mais Mais c'est non, génial. mais non. C'est trop Essayez de le génial. guérir de sa maladie, voyons les enfants. Mais attends, tu peux même le mettre par-dessus ton bonnet. Il est vrai. J'en mets le bien comme ça là. Coucou. Salut les amis. Or, fim, fam, foum, fire. Pardon. La suite. La suite. Ah, alors ça, bon. Désolé, hein, ça c'est presque utile. C'est un adaptateur international pour brancher des trucs Donc c'était japonais. ça à la base pourquoi on était Voilà, en fait, parti. on était parti acheter ça. Ça coûte 1500 yens, donc 10 balles. C'est un adaptateur international japonais. Et du coup, j'en ai pris un jaune et un bleu. Un bleu et un rouge, pardon. Et c'est tout. Mais Ah ça, les c'est très boules. chiant. Donc moi, comme j'aime pas des... Alors voilà, les gens, le mec qui vient de me dire, ah, c'est pas utile, Kirby, tout ça. Le mec, Ah en non, mais imbloquable, à la ça c'est fraise, il fait, super oh, utile. je suis obligé d'acheter ça. Alors vas-y, fais voir au monsieur. Alors ça c'est Gatchan qui mord le câble. Attention, il y a Voilà. écrit bit, hein. C'est ça, c'est comme le... Attends, il n'y a pas mon casque dans le coin là? Si tu vois un casque, voilà ça le casque. À te la pelu. C'est comme la Rallye là qui mord le câble. Vous voyez? Et ben là je pourrais mettre Gatchan et Bou, gros Bou. Ah ouais, tu le mets dans le fion quand même. Hein. C'est ça. Donc ça c'est Ça assez mange les indi. câbles, ouais. Ça c'est assez Mais attends, mais indispensable. je comprends pas. Ouais, en fait, tu peux écarter et mettre le câble avant. Oui, Après, c'est genre, ça. ok, parce que je disais, genre, attends, comment ça rentre le jack à travers Tu vois, ta regarde. petite arallée, Et ouais, en j'avoue que c'est stream, ça c'est stylé. garanti. Parce que Elle moi je mange tout, quoi. stream Elle aussi. fait, ah bon, t'as stream? Mais vas-y, mais parle de ta chaîne, hein. Parle de ta chaîne, je t'en prie, fais ta promotion. On avait fait ça. Avec un gars quand on était aux AVN là, et il y avait un mec hyper discret avec plein de tatouages. Et il fait ouais, je fais de la. La meuf elle fait, mon mec il fait de la musique. Hein. On a genre vas-y mec, parle de ton CD, tu sors un album, c'est un truc de ouf et tout, vas-y, fais-toi ta pub. Le mec c'était Modstep. C'est qui mode step? Modstep,
40 millions de vues sur toutes ses tracks sur YouTube, c'est genre le Skrillex en anglais, quoi. Ouais. Ce mec, il est invincible. La zik, et nous, c'est un stream à la piste, on est là genre, vas-y mec, tu fais de la N'hésite zik. pas! N'hésite pas, on te fait croquer si tu veux. C'est Alors que le ça. gars, il est déjà à la fin du game. Exactement. Bon, ça, c'est indispensable. Ah, ça, voilà, attention, indispensable. C'est un stylo. Vous me dites, oui, mais ce stylo, c'est un stylo One Piece, c'est un stylo Luffy. Sauf que, Il est énervé. voilà, regardez, hop, Il est trop hop, bien, quoi. hop, ah, ah, Putain, mais il y a trop de oh, phases, quoi. T'as oublié les autres phases, quoi. ah. Voilà, je veux dire, à un moment, faut acheter des trucs qui servent. C'est ça. Bien sûr, on en a pris trois. Voilà. Genre, on en a vraiment pris trois. Ah, attends, non, ça, faut le garder pour plus tard. Ça, faut le garder. Ouais. Celui-là, c'est vraiment un indispensable. Je Moi... rappelle que la planète va mal et que les usines qui fabriquent ça sont en train de nous tuer. Ouais, de se polluer directement dans le Gange. C'est ça. C'est en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire à ça, quoi? Merci pour le sub. Tapez 1, parce qu'en fait c'est un peu dur de lire tout le chat, mais tapez 1 si vous êtes jaloux de ce stylo. Non, mais le stylo est garanti. Non mais ça, quand tu vois ça, tu fais... Laisse tomber. Tu veux parler de ça? Ah oui, bien sûr. Big up à mes sensei, Nightcross, Yoga Patate et bien sûr Crimson hein, qui nous a fait une petite session sur le stream. Qu'est-ce que c'est que ça, karaté? C'est le Yoga Flame. Le Yoga Flame Curry. C'est un curry instantané préparé par Dalsim et qui te fait cracher du feu. Et il y a le sprite pixel perfect. Hein. Ouais. Les Mais en visuels, ils soi, sont craqués. c'est Hein. le curry, ça vient d'Inde, hein. Donc Ah bon? en vrai, Non, je rigole, oui. c'est un juste retour des choses. C'est pas stylé. Il a l'air très, très... Il paraît qu'il est très très fort, parce que là, il fait genre, oh là là, mes couilles. Mes couilles, Germaine, tu parles de ma morte. Comme chacun Dalsim sait que Dalsim parle, quoi. Le curry Dalsim. Ah, le curry d'Alcim, c'est Il est officiel, hein. assez. Mais est-ce qu'il est au porc, du coup? Ou Faudra au demander, bœuf, faudrait ou au demander à truc? Chocobo, parce que là, je peux Ah, pas ça lire. Hein. coûte. Mais ce Non stylo, mais ce quoi. stylo. Attends mais c'est déjà tout là, on est déjà à la fin. Bah, oui, Bah du coup faut montrer l'item ultime. faut montrer l'item ultime. Alors, attention. Attends, je m'entraîne un peu. Ouais, c'est comme ça. L'item ultime. Attention, alors chez vous, quoi qu'il se passe, vous n'avez pas le droit de rire les 20 prochaines secondes. Si vous rigolez, vous avez perdu. Attends, faut que j'y arrive. Moi aussi, tu rigoles pas. Si vous rigolez, vous avez perdu. C'est chaud. Attention, vas-y, parce qu'après ils vont tricher. Si vous rigolez, vous avez perdu. Déjà, ça part mal. Tu vois un chiotte? Nyeh! C'est vraiment de la merde! Mais c'est Oui! de C'est tellement pourri! Je suis le Alors attends. Maintenant tu te calmes tout de suite Oui. et on fait le défi. Je te fais un caca. Si tu rigoles, le premier qui Oh, rigole mais est mort. non, mais non. Déjà on fait Junk'n Pon pour savoir qui commence. Ça et Joe à go. Junk'n Pon. Junk I call the show. De gagner. Si tu dis. À toi. T'es fort, hein. J'ai même pas vu ses yeux. Ce truc. C'est tellement pourrave. Sinon,
fait stylo aussi, mais il faut réussir à enlever le capuchon, hein, c'est pas évident. Franchement, le capuchon, il est chaud à Il enlever, faut hein. réussir à écrire sans se marrer après, Ah. quoi. C'est encore plus Ah, dur. voilà. Donc c'est un stylo en dessous, hein. Ah. Nya. Je refais au stream. Ouf. Moi, je fais plus ça. Coucou. Ouais, c'est. Coucou, mais Ah, que c'est quand il coucou. arrive lentement, là, tu te dis, mais. Nya. Il est garanti, ce truc. Bah, je sais. Ramène pour moi. Oh, il est vraiment pété ce truc. Ouais, ça Putain, mais en fait, je suis presque déçu qu'on ait ramené que ça de Don Quixote alors qu'on a montré que de la chiasse en oh, barquette. t'aurais pu prendre le truc. Le costume de Vegeta? Non, Ou de Boo? T'en avais trouvé un non, costume de Boo. de Ken. Ah, le costume de Ken, j'ai failli l'acheter ouais, pour une future vidéo. C'est marrant le caca. N'hésitez pas à vous chub. Night in the town, gauche droite. Rendez-vous Shinjuku? Ah bon? C'est trop bien, en fait. Genre, t'imagines, tu Bon. meurs à Dark Souls, il fait genre non, non. Et maintenant, ce qu'on a chopé dans les magasins magazines. Ah ouais, ça c'est mes loot à moi. Ça, j'ai craqué mon slip. Oui, parce que Karaté, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas d'argent. Oh là 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 là. J'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû mettre ça. Et je lui mets des loots dans les mains, il fait. Oh. Oh. Ah oui, bon, Donc là, là c'est imbloquable. c'était au Tsurugaya. Guilty Gear Petite, ouais, tu devais acheter là-bas. Pardon, j'ai dit le nom, j'ai spoilé, merde. Je suis qu'une merde aussi. Ouais, Guilty Gear sur Bon, ça Wonderswan. va, vous pouvez voir au prix qu'il s'est pas buté, hein, c'est 15 euros le jeu. Ça va quoi. Alors que tu les avais pas dans ta collecte. Bah non, pas du tout. Bah j'ai même pas de Wonderswan, à vrai dire. Ouais, ça coûte rien ça. Moi j'en ai deux. Hein. Ah ouais? J'ai la cristal et la au noir et blanc. J'ai pas la color par contre. Oui, il faudrait que j'aie de la cristal. Mais Oh. je crois qu'ils sont color only hein, ceux-là. Over Technology, merci frère. Salam. Ça se trouve pas cher hein, les Guilty Gear. Hein. Et donc en fait c'est des Guilty Gear en SD sur une console portable Bandai. Dans Bah laquelle tu ouais, mets une pile, il y tu a un joues 20 heures. perso inédit là, elle, Ah l'infirmière, ouais. ils l'ont jamais remis ailleurs. Ou attends, peut-être elle est dans Guilty Gear Izuka. On la Je voit sais pas, là. je crois pas, non, je crois pas qu'elle est dans l'Izuka. Donc c'est vraiment écrit, quand on veut dire Guilty Gear petit, Oui, c'est le nom hein, c'est vraiment le officiel. nom officiel, c'est petit. Petit, regarde, Un et les. petit Guilty Ça, c'est Gear. les cartouches qui sont là et Ah, ils te l'artwork, les ont il est. filés L'artwork à peur. dessus est cool aussi. Wow. Elles étaient bien les cartouches Wonderswan. Elles sont presque aussi T'as grosses que vu, la elles sont. console. Ah ouais, elles sont méga grosses. Ah ouais. Elle est bien cette webcam. Celle-là aussi, là, regarde. T'as eu l'artwork, il est Ah stylé. non, mais les cartouches sont bien. Hein. Du coup, ils sont Wonderswan Color Only. Donc, ouais, il faut au moins la color. Mais je te recommande la cristal parce qu'elle est rétro-éclairée Bah, c'est ce simplement. qu'il me disait aussi, J'en ai une cristal, que moi. je Hein. Je te la liais revends une. si tu veux. Ah Je ouais? te la revends contre tes parts sur le kiss-kiss. J'ai donc des parts d'au moins 40%. Ah ben oui, au moins. Ah oui, c'est qu'en fait ils t'ont filé les cartons, ils ont même pas fini d'assembler le truc quoi. Ils ont dit Ouais, casse-toi avec tes c'est. cartouches de Non, c'est merde. en mode ils avaient pas mis le jeu dedans pour pas Oui. que les gaijins y volent, tu Mais sais. après ils pouvaient ouvrir le jeu, te mettre. Quand ils te le vendent, normalement ils remettent le disque, tu vois. Ah, toi, ils ont fait ça? Ah ouais. Ouais, moi, je sais pas, ils m'ont pas Mais ils m'ont respecté, pas les gars. filé des CD. D'ailleurs, justement, en parlant de Tsurugaya, est-ce que c'est là? Non, parce que ça, c'est mes premiers. Comment je fais pour mettre dedans? Ah ben, faut ouvrir et tout, et péter la boîte. Ah, c'est relou. Bon, je ferai ça après. Après, j'ai acheté d'autres trucs. Ah ouais, Tsurugaya, c'est mon truc qui est Là, là-bas, ils l'ont quoi. même pas mis dedans, celui-là, par exemple. Ah ouais, mais putain, il t'aimait pas, hein. Je pense qu'il t'aimait pas, hein. Wow, le All-Star, c'est quoi? C'est un jeu de baston? The All-Star. Ah ouais, d'accord, ok. Un jeu de baston que Il est j'avais en pas. bikini. Putain, on dirait qu'il est gratuit le jeu. On dirait une bêta de je sais pas quoi. Ouais, mais c'est mes loot à moi, tu vois, même quand je m'énerve, c'est pas bien C'est de cher. la merde et ça coûte rien quoi. Waouh. Attends, c'est ça, t'as piffé des jeux de baston? Ouais, celui-là à 400 yens, j'ai piffé. Pas mal. On sait même pas ce que c'est le nom. 400 yens.
Bon, par contre, ça, c'est le jeu e-sport, hein. Ça a plus l'air d'être un RPG, ça, qu'un jeu de baston. Regarde, ça, c'est le jeu. Ah, mais oui, alors c'est quoi le jeu? C'est un jeu où t'es une Grazel, farfalle? merci! Ah, c'est le jeu avec des scarabées qui se butent. Ouais, c'est ça, c'est le jeu de Versus Je l'ai avec vu les en arcade, insectes. je crois. Enfin, j'ai vu une version arcade de ce concept. Parce que l'autre jeu, c'est ça, et ça ressemble plus à un RPG qu'à un jeu de Versus, entre nous. Incroyable. Mais vrai. Alors, si on rentre la poche que moi j'ai lootée au Surugaya, les gens ils Après, vont faire une crise il y a des cardiaque. petits. Ça. Oui, ça c'est Le bien. jeu pour Ça regarder. coûte cher, hein. 500 yens, celui-là. Ça coûte pas rien. 500 yens, et parce que je veux le. Le 3 là. Okuyasu, je l'ai jamais eu, purée, ça race. C'est mon main de la vie, Okuyasu, j'ai fait 3ème. Je suis 3ème d'Europe. Et meilleur Okuyasu d'Europe, vu qu'il y a eu un tournoi, c'était au Stunfest. Et j'ai fait 3ème. Derrière Verdier et Oro. Et j'ai acheté ça, et ça c'est pour le fiche. Pour Samy. Parce qu'il aime bien ça, Ah, c'est Eric. quoi Tsurugaya? C'est une enseigne. En fait, c'est simple. On a fait un épisode de Hard Looters au Tsurugaya d'Akihabara et on l'a vu dans un autre en fait. Ah, mais toi, si on monte le Tsurugaya, c'est violent. Bah, on va montrer la poche déjà. Salut. Voilà. Que contient cette poche incroyable? Alors attention, celui-là, faut Ah, pas montrer la. déjà il y a un t-shirt. Ah ouais, le t-shirt contrat, ça de l'Uniqlo. Ah putain, attends. Ouais, mais c'est fou quoi, genre, t'as vu la force qu'il faut pour baiser ça? Autant laisser le couper. Ah, voilà. Non, mais c'est bon, je l'ai. Bon, celui-là, je l'ai montré sur Instagram, mais je ne vais pas montrer la back cover. Ah ouais, parce que c'est quoi? C'est un jeu de chatty-chatty. Ah! D'accord, ok. Alors, regarde, là c'est un truc, c'est il m'est arrivé une phase, je vois Beautiful Joe Rumble. Et je me dis, non, Battle Carnival, pardon. Je me dis, 1500 yens, nickel, j'en parlais lors d'un stream sur Beautiful Joe 1, trop bien, le jeu de Versus, il y a les screenshots et tout. Sauf que pour la première fois au Japon, Beautiful Joe, deux. dedans. C'est ça, c'est pas le bon jeu. Ah, ils sont trompés. Et du coup, ils n'avaient pas vraiment celui-là. Ils avaient que le 2. Donc en fait, ils ont un moment, je sais pas qui a été la rustine de qui, mais ils ont mis le Beautiful Joe Battle Carnival sur Beautiful Joe 2. Mais le truc, c'est que Beautiful Joe 2, c'est un jeu qui coûte beaucoup plus que 1600 yens à la base. Hein. Ah ouais, il coûte Donc en fait, combien? au moins le double. Donc en fait, du coup, j'ai quand même piffé parce que c'est histoire de le faire en stream et de le rentabiliser comme ça. Tu l'as fini le 1? Non, je l'ai pas fini. Ah, le 1 il est dur. Hein. Il est trop dur. Hein, mais non, Il est j'ai, trop par contre, dur. quand j'ai streamé, j'ai pris une grosse Tu sais défaut de qu'il y a poing. eu la. Il y a une version, la version facile aussi. Ouais. Il y a une version easy et il y a une version dure qu'ils ont sorti après parce Alors que après, personne n'arrive à finir le jeu. y a des petits jeux comme ça, tu vois, genre le Tenchimoyo Super Famicom. C'est quoi ça, Tenshimoyo? Tu connais le manga? Pas du tout. Le manga, alors c'est un manga super beau, en quelques OAV, où t'as Tenchi qui réveille, je crois, elle, qui était un espèce de démon de ouf. Et en fait, elle avait un vaisseau, c'est une criminelle intergalactique, et du coup, t'as plein de persos qui viennent essayer de l'arrêter. Et en fait, après, à la fin, tout le monde finit dans la même baraque, et tout le monde drague Tenchi, et c'est la réincarnation de mes couilles, et il se bat, etc. Quoi. Non, Non, c'est non, non, Beautiful c'est Joe CD du Beautiful Joe 1. 2. Hein. Ouais, c'est bien le 2. Hein. Je Et du coup, vérifie. alors, il y a beaucoup de gens, c'est très fanservice, Tenchimuyo, mais c'est très mignon. Il y a un peu de Sailor Moon aussi dans la vibe. C'est très drôle aussi, c'est énormément drôle. Et là, le jeu, c'est un petit tactical au pif que j'avais fini en japonais dans le texte en émule à l'époque parce que j'étais trop fan du jeu. Je l'ai fini. Par contre, il fallait l'accélérer en x5 et c'était déjà infini. Il est assez pourri, mais j'aime beaucoup et j'y ai beaucoup joué quand j'étais gosse, donc quand j'étais ado, que j'émulais. Donc voilà, très bien. Que t'avais le mulet? Alors celui-ci, tu m'as dit que tu étais jaloux ou pas? Ouais, je suis jaloux, la boîte elle est magnifique. Batman Returns. Quand il plaque les mecs au mur, là, ça fait. Ouais. C'est trop stylé. Celui-là est Ouais, le stylé, Batman là, la Returns. jaquette Hein. elle est Le pétée. jeu est vraiment trop bien. Beat'em all de Konami. En fait, le seul problème de jeu, c'est qu'il est solo player. Par contre, il est super fluide pour un beat'em all Saturn. Enfin, pour Super NES. Et les musiques sont excellentes. Une bonne palette de coups. Je l'avais en PAL. Hein.
Mais alors là, la jaquette japonaise, ouais, elle fait son effet. Hein. Juste le fait d'attraper les gens et de les plaquer contre le mur du Ouais, fond. ou d'en attraper deux et puis de leur cogner la Ouais, tête, ça là. Ça, c'était c'est. trop bien. T'es vraiment Michael Keaton. Hein. Vite fait, un petit Dragon Knight 4. Alors ça, je pense que Chocobo Tiger, s'il regarde, il connaît. Parce que, comme j'explique, donc j'explique plus tard, mais faut pas spoiler Hardlooters, parce que les gens qui sont là représentent certainement. Après, ils regarderont pas l'épisode, certainement. Du coup, Dragon Knight, c'est à la base une série de jeux hentai pour PC. Et du coup, il Ouais. existe une version soft pour la Super NES, tellement le tactical à l'intérieur est stylé. Parce qu'à la base, c'est des jeux de tactical de cul, mais en fait, ils ont tellement développé le lore au fil des épisodes et le système de combat que les mecs ont fait, bah, on sort sur Super NES, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Donc ça, c'est des petits jeux. Mais vous avez vu les prix, hein, c'est pas des prix de ouf, hein, genre 10 balles. Celui-là, 20 balles parce qu'il c'est vraiment une rareté. Et normalement, il en coûte 50. Là, c'était vraiment un bon prix. Tenchi Muyo, 10 balles. Donc c'est J'ai pas envie de leur cher. pendre moi les couilles. Regarde celui-ci, 900 balles, 900 yens, 900 balles, 900 yens, donc même pas le prix d'un kebab. T'as Tactics vu, Ogre. regarde, c'est le Tactic Ogre, Let's Us Cling Together, celui qui est ressorti sur PSP récemment, et qui est très très bien. PSP? Ouais, il est ressorti sur PSP, PS Vita et tout. C'est Ah. le jeu, il a été remaké il y a pas longtemps. Et t'as vu la jaquette, comment elle déchire sa mère? T'as vu la beauté du truc? Ah ça c'est beau ça. Bah, regarde l'artwork quand même. Ah ouais, je suis là, ouais. 900 yens. 200 yens seulement. Que je pose Seulement. à côté. Vas-y, regarde. Après, il y a des petits jeux classiques, mais c'est juste que je les avais pas dans le, sous la, dans le, tu vois, Ça? dans ma collecte. Alors, bon, Yoshi Safari, qui est dans une superbe boîte. 780 yens. Hein. Que dalle. C'est Que cadeau. dalle. Ouais, c'est cadeau. Non, mais C'est c'est vraiment cadeau. cadeau. 6 balles le jeu Super Famicom comme ça. Voilà, Ah, celui-là. t'avais pas Mais celui-là. non, je l'avais pas en boîte. Megaman X. Pour 20 balles, c'est rien, quoi. Pour 20 balles, c'est rien, Megaman X comme ça, là. C'est gratuit. La jaquette est tellement belle. Parce que je l'ai en PAL, en Puis les fait. meilleures musiques de l'histoire Bah oui, aussi. j'ai la cartouche PAL et voilà. C'est pareil, celui-là, je l'avais pas en boîte. Super Street Fighter 2. Oh là là, c'est celui-là que j'avais acheté à Noël. Avec la jaquette, avec les visuels du dessin animé. Là là, Le meilleur magnifique, dessin animé de la Terre. Ah oui. Avec la meilleure VF de la Terre. Avec Chun-Li dans la douche. Bah oui. Non, non, fantastique. Super Street Fighter 2. Et même il l'appelle Chun-Li. Chun-Li. Tout à fait délicieuse, n'est-ce pas, Vega? Regarde là, un petit Puzzle Bubble. Puzzle Bubble, pardon. Ah, il était Version ressorti. Super Famicom. Putain, je savais même pas qu'il y était Du coup, il est là-dessus. en Versus. Ah ouais. Donc bon, ça se piffe easy, hein. Ça J'ai vaut. surtout joué à la version 64, moi. Ah, moi, c'est Neo Geo. La version Neo Geo, mais la version Neo Geo coûte une fortune, tu Bah, la vois. version je l'ai en MVS, moi. Connard. Elle coûte cher? Ah, mais non, mais En en AES? AES. Mais il existe en AES? Je sais pas. Celui-là, il s'appelle juste Feda, Emblem of Justice. Mais l'artwork est tellement grave stylé. Itagéo, il est en train de craquer. Il est T'as vu en train de l'artwork? craquer des tachéos, il est sur le Le chat. design, t'as vu, il est pas stylé? Ouah, ce barbare. Regarde ce gars, quoi. Ouais, y a un homme loup. Ouais, enfin, les designs, ils étaient pétés. Et en fait, tu vois, c'est un tactical. Donc, en fait, bah, avant, tu vois, genre, autant, tu vois, les RPG vraiment trop à la FF, je trouve que, oui, c'est trop compliqué d'y jouer quand tu connais pas la langue. Mais des tacticals, j'en ai tellement fait au pif en Jap. Genre, j'ai fait tout Namco X Capcom quand c'était sorti. J'ai beaucoup joué donc à Tenchi Muyo, à Mystaria. J'en ai fait pas mal. Et du coup, moi, je le pif, ça. Hein. Il n'y a pas de T'as problème. fait Hein. les Disgaea et tout? Non, j'ai pas fait Disgaea. Disgaea, c'est infini Mais c'est parce que, aussi. ouais, mais c'est, tu vois, Et les trucs c'est les avec les tacticals un peu robots, trop là? infinis. Non, Super Robot Tyson, ça, c'est truc de Ganesh. Ouais. Mais tu vois, genre, ça se pif et 10 yeux sont. Regardez le prix. 3 euros. Ouais. Moi, je joue en boîte full. Voilà, alors là, il y a des fans. S'il y a des fans de Toriyama. Ça va reconnaître. C'est ton main ou pas lui, De Toriko. Dragon Torneko. Quest? C'est pas Dragon Quest, ça. Alors c'est Torneko. Tu sais, c'est le marchand dans Dragon Quest. Ouais. Et du coup, c'est sa série de jeux à lui. Il y a le 3 qui est sorti juste sur GBA, il y a même un 4, je pense. Où en fait, c'est un donjon RPG où en fait, comment il loot la marchandise qu'il vend? Et bien du coup, ça c'est le jeu où il est dans son village, il y a un gros donjon infini à la Diablo, et en fait dans le jeu tu fais des allers-retours et tu vas looter, tu reviens, tu déposes, tu retournes, tu vas plus loin parce que t'as plus de stuff et l'infini. Et du coup c'est un donjon RPG qui peut durer à l'infini quoi, plus ou moins. D'accord, ça commence à faire beaucoup de jeux C'est un là, peu non? roguelike. Mais non, mais là ça fait deux.
Et en plus, t'as vu, c'est pas cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, à peine 11 jeux en boîte. Regarde, mais regarde, c'est les prix, t'as vu les prix? 800 yens, 7 euros, Elfaria 2, la jaquette dessinée par le dessinateur de chez Hudson, qui a fait aussi les artworks de Makaimura alias Ghost and Goblin, mais ouais, aussi, ça ressemble... aussi à Maximo pour les gens qui connaissent. Ouais, ça ressemble à l'autre là qui se balade dans la jungle en slip là. Oui, mais c'est le gars qui a fait aussi Higgins, Adventure Island et ouais, voilà, c'est ça, Imagine, ouais, Adventure ouais. Island, ouais. C'est ça, le mec d'Hudson. Et pff, pété, rien que ça, c'est pété. Alors, les graphismes sont très très beaux hein, de Elfaria 2. Alors, ça, c'est le 2. Parce qu'en fait, j'ai looté le 1 dans l'autre magasin. Mais c'est un jeu de quoi? C'est un tactique, ça encore? Non, lui, c'est plus un RPG classique. D'accord, donc tu vas jamais le faire, ok. Là, c'est pareil. Celui-ci, il a du side-scroller à action dedans. Donc, ça se joue. C'est Bounty Sword. Encore une fois, je trouve que la jaquette est tellement bien. T'as vu le format paysage, comment il est hyper bien mmh. utilisé, quoi. Et donc, tu vois, il y a de l'action en side-scrolling, quoi. C'est pas paysage, ça? Non, en portrait, pardon. Portretto. Tu vois, et en fait, il y a un peu de d'action plateforme, en plus du côté RPG. Et 700 yens, c'est 6 balles, quoi. Mais genre, tu connaissais ce jeu avant? Non, je le connaissais pas, justement. J'ai vu l'artwork, j'ai fait, c'est trop pété, quoi. Ah bon? Ah d'accord, toi, tu vois l'artwork. En fait, t'es comme quand on était petit, qu'on allait à Leclerc, et oh, regarde, ce jeu, il a l'air trop bien. Non. Parce que la jaquette, et après, tu l'utilisais, et t'étais bloqué 3 ans avec un jeu de chiasse. Non, j'ai pas acheté Solstice comme ça. mais ouais, en fait, ça m'est... Mais en fait, le truc, c'est que je trouve ces artworks tellement belles que j'aime les... Enfin, vraiment... Quand je suis chez WAM, les jeux Super NES, j'ai envie de juste je les regarde comme des artworks. C'est connu, quoi. Je crois. Ça, c'est un peu connu, je l'avais toujours pas dans ma collecte. J'aimerais le streamer un jour, la 1000 yens, le jeu en boîte. Tuez-moi, pendez-moi sur place si vous croyez que j'ai des maladies, quoi. Je m'en fous, en fait. Final Fantasy VI. Ouais, pas très connu. Celui-là, il y a Kefkaz, non? Ouais. Bah, c'est le meilleur, alors. Bah oui. Enfin, censé être le meilleur. Là, alors là... Toi, tu connais ce game? Ouais, c'est King of Fighters. Exactement, c'est la version Game Boy. Donc, il est tout petit. Et la version Game Boy est craquée. Le jeu est pas très fluide. Par contre, les sprites sont beaux et les musiques version Game Boy sont très cool. Ah, musique version Game Boy, c'est toujours garanti. Bah, voilà. Même les coffres, la version Game Boy, là, les musiques. Dans celui-là, il y a 8 persos, il y a tous les coups. Et les spéciales Super Game Boy, donc les musiques, elles ont un peu du côté FM, tu sais, de la Super NES, elles utilisent certains trucs. Ah, putain! Nickel. Je ne puis répondre, ça va me coûter des millions, voyons. Donc, là, vous voyez, j'ai acheté plein de jeux, mais en fait, ils étaient tous gratuits. Donc en fait, j'ai pas dépensé beaucoup d'argent. Oh, saut dessiné. Donc en fait, pour l'instant, je suis bien. Bon, là, c'est un peu plus cher, mais je pense que ça va faire quelques rageux. Oui, on rappelle que nous sommes au Japon pour Hard Looter, l'émission, et où on va dans les magasins. Pour filmer les loots et pour faire profiter aux gens de ce qu'on a trouvé. C'est disponible sur YouTube, la saison 1 gratuit, oui. Et la saison 2 est en tournance en ce moment. Voilà, merci à tout le monde. Vous pouvez suivre Benzaï sur YouTube, moi-même sur Twitch, Benzaï aussi sur YouTube, oui, c'est vrai. Monsieur Karaté, voilà. Bravo. Parce qu'on m'a dit qu'on était en homepage de Twitch. Ah. Fallait faire la pub. Donc, ouais, là, c'est un live déballage. Bah ouais, on est au pas. Japon tranquille, mais c'est aussi en parallèle. Parce que tant qu'on est au Japon, on peut pas forcément streamer comme d'habitude. Mais on essaye quand même d'être un peu présent sur le Twitch game pour bien vous rappeler sûr, qu'on bien vous sûr. Aime. Et que restez subis, s'il vous plaît. Regardez. Donc, ouais, ça, c'est la Figma. Il y en a qui connaissent ou pas ça? Si je vous montre ce visuel là, il y en a qui bandent ou pas? Tu l'as lu, toi, ou pas? Tu dis des mots comme ça, c'est sur ma chaîne, faut pas dire... Excuse-moi. tu l'as lu ou pas, ça, un petit peu? J'ai lu, et la scène cruelle du chapitre 1 m'a... T'as fait, ah non, c'est bon. J'ai fait, ouais, sauf ça a pas l'air bah, pour y a moi. Il y a moins de zigouigoui sur l'anime. Ouais. L'anime est plus soft, mais du coup, c'est Goblin Slayer. Goblin Slayer en Figma, donc c'est les versions invincibles des figurines avec 12 000 accessoires, 30 000 poses. Il est neuf, il est dans son état, dans son jus. J'ai assez hâte de le déballer en vrai parce que j'aime beaucoup les Figma. Elles sont hyper posables, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le perso, t'en fais ce que tu veux.
tu peux le mettre On à s'est aperçu que genoux. Dark Souls, c'est vrai On un dira, peu. bah ouais, le design est très inspiré de Dark Souls ou de Berserk. Mais en fait, dans le manga, il t'explique vraiment pourquoi son armure est comme ça. Parce qu'en fait, comme il se bat que en souterrain contre les gobelins, il prend pas une épée trop longue, il prend un truc, il a de l'huile exprès pour s'immoler, mais il résiste au feu, etc. C'est trop bien. Il a tout pour Mais on voit piéger les sa tête gobelins. des fois ou Ouais, pas? en fait, il a une tête de mongol normal, quoi. De Mongol. Voilà. Voilà, tu nous présentes ça parce que. Oh, oh là là, je sais pas si on peut le montrer lui, hein. Il est cruel. Alors c'est un comique japonais qui voilà, a eu droit à sa Figma. figurine. Figma, après je sais pas si Bon derrière sur la tranche là. sur la tranche là, on le voit là, il est comme ça. Alors ce n'est pas ce que vous croyez, c'est une blague, hein, puisqu'on pouvait voir que c'est son poing. Et donc sa blague, l'une de ses blagues, c'est de mettre son poing Dans son espèce de dans son collant. fut, ouais, dans son fut, pour faire genre, hey, les gars, trop bien. Donc c'est un peu bizarre, c'est de l'humour japonais. Voilà. Et la Figma de ça. Regarde, et on voit que c'est bien son poing là, puisqu'il y a, y a le truc là sur le côté, on voit Ouais. qu'il met sa main. Et du coup, si tu veux faire la stance avec le poing dans le fut, il faut vraiment installer un autre fut. Il y a une extension, quoi. Ouais, il y a Il y un a le DLC. DLC du fut, ouais, pour machin. Un humour japonais, un humour bizarre, qui fait rigoler Ah bah oui. Bah d'ailleurs, en Benzaï. fait, je l'ai acheté pour un pote parce qu'un jour on était tombé dessus au pif Bien sûr, pour un quand on tournait pote. au Japon. Et je lui ramenais du coup parce que je sais que ça le fait marrer. Et ça, dédicace à Chocobo Tiger parce que je sais qu'il le voulait. 2800 yens, ça c'est donné. C'est Pour de la quoi? figurine, c'est le robot Tenga. Regarde, c'est un peu comme Astro Boy, sauf Ah, c'est que. un robot, c'est stylé les robots. Tu vois, c'est un petit robot, mais à côté il a un gros Tenga, c'est son canon. D'accord. Mais il a des ustensiles de robot? Ouais, il a un marteau, il peut se battre et tout quoi. Oui. Oh D'accord. putain, c'est pas fini, bordel. Un robot. Il a une forme bizarre, ton robot. Donc le robot Tenga. On a d'autres petits jeux en fait. Ah oui, il y a encore des trucs là. C'est quoi ça? Ah, Ah, c'est. là, du coup, il m'a mis la cartouche à part, Tu j'avoue. vois? Alors regardez, là, il y a des gens qui vont peut-être kiffer parce que ça c'est un de mes jeux préférés un de mes des jeux DBZ préférés et un des jeux préférés de la GBA ever que j'ai fait en stream d'ailleurs, c'est le Super Sonic Warrior. Ouais, il est pas mal Ah, il celui-là. est trop bien. Mais j'aimerais quand même retrouver la cartouche PAL pour avoir C'était les textes en Arxis, hein, qui le français. faisait déjà à Ouais, l'époque, hein. déjà? Ah ouais? Ah oui. Putain, il est trop bien le jeu quoi. Franchement, et je le préfère au 2. Je préfère le système de jeu du 2. Enfin, Ah du bon? 1 par rapport au 2. Je trouve le 1 plus bourrin, les sprites sont beaux et tout. Le 2 est vraiment très bien, mais je préfère le 1, je le trouve plus violent, le rythme des combats me plaît plus. Et puis il y a forcément, tu sais, quand tu peux jouer Vegeta en mode story, et du coup, t'as Vegeta, il devient le roi du monde et tout. Ah waouh, d'accord, ils m'ont mis tout à part quoi. Ah Putain. voilà, toi toi aussi. Et le Automé Delista, non. Alors, un jeu qu'on avait vu dans la saison 1 de Hard Looters, et que Chocobo d'ailleurs avait voté comme meilleur loot à ce jour-là, parce que Dorizon l'avait trouvé en neuf, mais sur PS2. Et moi je suis un mec de la GameCube, et là du coup c'est Automé Delista sur GameCube. 2000 yens, donc 15 balles, donc c'est rentabilisé en un seul stream. Et donc, c'est quoi? Eh bien, c'est le jeu de voiture Voiture. arcade en cel shading de Capcom. Il est vrai. Et moi, le packaging GameCube, je résiste pas, hein, c'est trop la classe, quoi. Pff, les petits fourreaux et tout. Et donc, là, après, je me suis. Tu vois, ça, c'est un petit peu plus cher, mais pff, en même temps, ça boit 40 balles, je m'en bats les couilles. C'est. Parce que c'est quand même un jeu Switch, un jeu neuf. Et ça, un jour, on va le streamer, Karaté, c'est moi qui te le dis. Oui. C'est Sumiko Gurashi. Donc. Le chapeau. Je le rappelle, hein. L'Ayamplitude. C'est Sumiko Gurashi. Et donc, en fait, c'est Est-ce un que party tu game. peux le faire tenir la truc là? Ouvre les Attends. bras. Vas-y, ferme. Ah, ça tire Et il pas. tient, rien du tout, quoi. Avec ses moignons. Du coup, c'est un party game Du salam, avec Aether. moult petits jeux, Ouais, mais dans l'univers de Sumiko Gurashi. c'est Donc, des c'est. mini-games. Ouais, c'est des mini-games, mais moi, les designs, je les trouve trop cute. Et en fait. J'étais dégoûté de ne pas l'avoir pris la dernière fois. Parce que j'ai fait quoi? Il y a un jeu Sumiko Gurashi? Non, mais let's go quoi. Moi, je sais mes mails. Hein. J'ai une couverture, j'ai des peluches, j'ai une trousse, j'ai des gommes, C'est ta j'ai licence, des quoi. figurines. En fait, il y a des gens, tu vois, ils vont acheter tout ce qui est Hello Kitty, tout ce qui est machin. Moi, Sumiko Gurashi, je résiste pas quoi.
Très bien. Je Ben voilà, rappelle c'est fini. que vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche en dessous de votre écran. Et Voilà, ça, c'est tu ne montres fini. pas? Ben non, c'est bon, j'ai Ça, rien c'est. acheté d'autre. Ça, on ne montre Ben non, mais pas. ça coûte rien. Ça c'était gratuit, je crois. Ça, je crois que c'était gratuit. Je crois que c'était. Non, je crois que c'était gratuit. Le prix, c'est le faux prix. Ça coûte rien du tout. Je sais pas d'ailleurs ce que ça fout là. Je pense que c'est Julien qui l'a oublié. C'est Mais non, possible. mais c'est écrit masterpiece, mais parce que c'est de la pisse en fait. Ça veut dire merde. Ça veut dire édition pourrie. D'ailleurs, c'était d'occasion. Et je l'ai eu. Et en fait, je l'ai pas acheté. Mais ils me l'ont donné, ils m'ont forcé à le garder avec moi. Et en plus, c'était détaxé, donc j'ai fait une affaire. Et voilà. Mais pourquoi t'as craqué ton slip? C'est Soundwave, mec. Ah oui, c'est la cassette. Ben oui. Voilà, Ah. merci. En fait, Karaté, c'est le mec, genre, je lui dis, ah tiens, je vais peut-être prendre ça. Il fait genre, mais pourquoi tu craques ton slip et tout? Et quand tu lui dis, genre, mais en fait, c'était ce truc-là, il fait, ah putain, c'est trop bien ça. Ah Mais putain, regarde, mais mais t'as la c'est. vraie cassette qui se Ah. transforme en On peut. guépard, là. Et puis après, lui, il se transforme vraiment en radio cassette, parce que là, comme c'est la version Masterpiece, il fait tout ce qu'il fait dans l'animé. Donc t'as les trois cassettes. Ah, c'est C'est pété. la version Masterpiece, c'est la version finale du robot. Il n'y a pas mieux. Jusqu'à ce qu'il sorte une nouvelle édition, mais bref. Il y a quelques pièces qui sont en métal, il est trop beau. Soundwave, c'est l'un des meilleurs designs de tout Transformers. C'est un de mes préférés, parce qu'il, tu sais, il a son espèce de masque là. Puis quand il parlait, tu sais, avec une voix grosse voix modifiée, genre I just saw this Megatron. C'était Ouais. trop trop bien, ouais. Tu sais, il avait une voix genre toute oscilloscopée. C'était trop cool. Et du coup, il pouvait se transformer en radio cassette géant. Ce qui, bien sûr, sert beaucoup à s'infiltrer. Et les cassettes devenaient ces strikers, quoi. Non, non, mais ça, c'est le top du top du Ouais, robot j'ai pas vu que c'était japonais. celui à la cassette aussi, ouais, Ben là oui, ça change merci, tout. Là, merci. ça change tout. Non, non, mais celui qui a les cassettes. Non, parce que, en fait, tu vois, genre, moi, j'ai Optimus et Megatron, donc les deux mains de Transformers, je les ai en Prime Studio One, les trucs les plus vénères, genre sculptés de ouf avec un décor, les trucs sont tout en métal, ils sont aimantés, t'allumes les yeux, ils sont grands comme ça, littéralement, ils font 50 cm, ils sont vraiment vénères. Et Jésus a des super bons prix, genre un quart du prix de base. Mais du De coup, cette collection aussi? non, pas de cette collection, encore plus vénère. Ah ouais, il y a plus Ah mais vénère bien, en fait, encore. mais c'est des statuettes, pardon. Ah d'accord. Ah mais Alors c'est mieux ça reste ça. figurine, ouais. Ah ouais, c'est mieux. Et du coup, là, en fait, ils étaient en train de le ranger derrière. Et j'ai fait genre, attends, Julien, demande le Soundwave, putain, leur masterpiece. Parce que je le vois à 100. En fait, là, vous voyez 15 800 yens. En vrai, avec la détaxe, et c'est 10%. Hein, donc tu gagnes 10% de détaxe. Et en plus, Ah, il y a cette panda, il est là, salam, avec cette le yen. Ah, mais panda. il va se moquer de moi. Ah non, il le veut. En fait, tu vois, c'est pareil. Genre, il se moque de moi quand j'achète des trucs dont il se bat les couilles. Par contre, il fait genre, ah, Soundwave, et je sais qu'il le veut. Du coup, en vrai, en fait, je l'ai plus payé 100 euros, quoi. Veux son wave de fou. J'avoue, non, son wave, c'est la classe. J'avais pas vu que c'était le radio cassette aussi, ça change Voilà. tout le En fait, reste. comme je disais à Julien, moi, j'ai une craquance par truc, en fait. C'est-à-dire que Optimus Prime, maintenant, j'ai un Prime de ouf. Mégatron, j'en ai un vénère. Là, j'ai trouvé le Soundwave Masterpiece. J'aurais plus besoin d'acheter un. Enfin, tu vois, mon cerveau, c'est bon, j'ai retrouvé le sommeil par Moi, rapport à j'aurais bien voulu Soundwave. avoir le Bumblebee de ma circoncision, là. Ah oui, quand t'as volé. Oui, c'est vrai, Désolé. Bon, t'as pas volé que ça ce jour-là. on voulait un bout de couenne. Et du coup, par exemple, tu vois, le Starscream, tu sais, qui est celui qui se transforme en Macross, quoi. Oui. Ben, du coup, lui, je l'ai dédicacé par le designer de Macross, le mec qui a designé le robot. Et en version un peu vintage là. Du coup, voilà, c'est Ah, bon. mais celui-là, il est trop stylé, c'est Donc j'ai pas trop. En fait, violent. j'ai pas la Mais là, tu peux lui maladie de mettre une transformer. cassette là-dedans. Mais oui, c'est parce que là, en fait, tu vois à travers la cassette. Et Oh tu là l'as. là, il est Et il a trois pété. cassettes. Ouais, non, mais il est pété, celui-là, j'avoue. Pouah. Non, non, mais les masterpieces, c'est vraiment. Déjà, ça coûte très cher en France. Mais c'est quoi, là? Pourquoi il y a un cube? Je sais pas, il a peut-être une stance où il repasse de l'énergon. Hein. Je sais pas, il y a des accessoires de ouf là-dedans. Non, non, mais ça, c'est la version Masterpiece, c'est la version Masterpiece. C'est genre, c'est pas un jouet. Il est en métal du coup? Non, il est pas en full métal, je crois pas. Il est en Il a plastique? certaines pièces en métal, mais c'est tout. Ah, ils font plus trop les Alors, figurines en en métal. métal, t'as plus les Soul of Shokugin DX nanana, là, mais là, c'est deux fois le prix, quoi.
Ah oui, d'accord. Parce que là même Mais en métal, là je suis, c'est ils sont pas incroyable. tous solo Shokugine, les Transformers. Par contre, les Power Rangers, là, ils sortent en solo Shokugine. Donc, par exemple, on a vu le Dragon Zord en métal, là. Mais là, c'est ouais, c'est 300 balles, quoi. Sous des snakes. Voilà. Donc, ça, c'était un magasin. On va passer à l'autre magasin. C'est 1 heure plus tard. Bon, bah, c'est pas le tout. Tiens, ça, c'est à toi. Ça, c'est à moi. Enfin, c'est pas vraiment à moi, c'est à nous. Alors, ça, en vrai, pour de vrai, c'est la commune. Virtua Cop avec le gun sur Saturne au prix imbattable de Oui, vraiment 700, imbattable. 780 yens. Voilà. 780 yens. Vous avez Virtua Cop avec le gun et le jeu. Franchement, c'est assez intestable, hein. Non, mais le truc le plus intestable, c'est quand même ça que t'as pris. C'est quoi? Ah oui, Tobal 1 à 50 yens. C'est-à-dire, on peut le prendre, y jouer, s'énerver, le péter en deux et C'était aller en déjà racheter rentable. Ah oui, c'est un. vrai. Tu vois, 50 yens, c'est la moitié d'un crédit en arcade. Je sais pas si tu vois. Demi-crédit qu'on Bah perd le oui, c'est jeu. ça. En Alors que demi-crédit, le t'as jeu, il dit. est trop bien. Le jeu est trop bien, mais après, il y a eu le 2 aussi, Mais tu le 2 l'a vois. supplanté. Mais Mais en fait, bon. le 2 l'a tellement supplanté que le 1 coûte 0. Ouais. 5, non mais 50 yens, c'est 40 centimes d'euros. C'est ça, c'est abusé, hein. 40 centimes Mais là, d'euros. mais par exemple, tu veux le full set Tobal, genre Tobal 1 et Tobal 2, bah Ça voilà. coûte le prix de Tobal 2 plus 50 yens. C'est ça, c'est C'est-à-dire bon. que la taxe sur Tobal 2 coûte plus cher que Tobal 1 tout. C'est vrai. Dis-toi que là, quand j'ai acheté à boire au Combini, ça me cassait tellement les couilles d'avoir de la caisse que j'ai mis 50 yens dans un truc de donation. Alors que c'était le prix de ton jeu. J'avoue. Moi, alors regarde, ça en prix quand même pas trop mal. 780 yens, donc 6 euros. Virtua Fighter Remix Saturn avec l'artwork qui pète le cul. Hein. Elle est trop belle. Ouais. Oh, le Jeffrey dessus. Ouais, t'as vu comment il est ouf? Il est en mode gros daron là. Il est trop trop beau. Non, mais j'adore les artworks de Virtua Fighter Early. Sauf que regardez, vous lisez là, en rouge? Il est neuf le jeu. Il est neuf d'usine. Il n'a jamais été ouvert. C'est le jeu, il est pristine là. Il est, se dire qu'il Il est, est plus que neuf. il est Il n'a jamais été. sealed Oui, de là il est l'usine, sealed. quoi. Là il est sealed. Factory sealed. Il est blisté à l'usine. Ouais. Donc là, c'est la max. Hein. Le jeu ne peut pas être plus neuf. Pour 600 yens. Ah non, mais là, oui, par rapport au prix français, là, ça ne veut plus rien dire. Alors là, j'ai pris un jeu, je ne sais même pas ce que c'est. Ah bon? Ouais, mais en fait, c'est Giger qui a fait l'artwork. Giger? Le mec qui a designé Alien, Dune, etc. Ah d'accord, ok. Et du coup, j'ai acheté un autre jeu qu'il a fait. Parce que je me suis dit qu'il était à en Ah prendre. merci So. Darkseid 2. Il y a peut-être des gens qui ont joué. Darkseid, c'est des point and click assez vénères, où les décors sont entièrement des peintures de Giger, quoi. Tu vois? Ok. Et du coup, c'est des point and click Waouh. maléfiques très très bizarres où t'as un mec à moustache qui est téléporté dans une Il fait dimension à d'une, la il a fait Alien. d'une, c'est ça Il a fait le aussi? design du Dune qui est pas sorti de Jodorowsky. D'accord. Il a fait le design de Alien. Déjà, Ouais, bon, bon. voilà. Predator, alors, Et non? Non, c'est pas non, lui. parce que le costume de Predator, c'est par un autre gars. C'est par Stan Ah! Winston. Mais les designs d'Alien qui ont été surcopiés, pompés par la culture japonaise. Oui. Contra, Airtype, c'est que des aliens. Hein. Ouais. Bah, même dans Doctor Slump, il y a un Mais alien. oui. C'est un Alors, truc, ça pareil, fait regarde pas partie cher. de. The Lost World. The Lost World. Something has survived. C'est celui où tu joues Jeff Goldblum et tu tues les gens. Et après, tu peux jouer un Procompsognathus, puis un Raptor, puis un T-Rex, puis machin. T'as 4 ou 5 persos jouables. Et tu sais qu'il y a un bonus dans ce jeu. Si tu fais le 100% au niveau des trophées, parce que tu as des trucs, des collectibles, tu sais ce que tu débloques? Non. Tu débloques une cutscene en full motion de Jeff Goldblum sur le tournage de The Lost World qui dit genre, bravo, t'as tout... Il s'en bat les couilles, là, genre, bravo, t'as tout gagné, maintenant, sors, parle à des gens, franchement, vis ta vie, parce qu'il n'y a pas que les jeux vidéo, quoi. Ah C'est ouf ou pas? Si tu fais 100%, il y a Jeff Goldblum qui dit non mais prends le soleil s'il te plaît quoi. ouais. Alors que t'as joué à son jeu. Ah ouais, il est guac.fr lui. Là très guac.fr. Regarde, là il y a des gens qui vont kiffer, je pense. Parce que c'est quand même Ken 2 sur Game Boy. Oh, la tête qui fait.
Regarde les Il a screenshots. énervé, hein. Il a l'air T'as énervé. vu les screenshots? Mais c'est quoi, c'est le Kung Fu Master là encore? Non, non, celui-là c'est spécial le 2 sur Game Boy, il est inédit. Hein. Il n'est pas comme Kung Fu Master. Et du coup, il a ses, tu vois, c'est Ken 2 parce que c'est Kaio, enfin c'est pas Rao. J'ai d'autres petits jeux GameCube. Je peux les montrer? Je vous en prie. Regarde, parce que là, c'est pareil. Là, c'est des jeux. C'est pareil, où, tu vois, genre, il y a des gens souvent qui disent, ouais, Benzaï, nanana, t'as la maladie. Ouais, t'as J'ai celui-là. acheté aucun jeu qui ne sera pas Purée. rentable en un stream. Tu vois, genre, je stream un T'es jeu. un ancien, toi. On se fait un stream retour du Japon où je stream chaque jeu une petite heure, une petite demi-heure. La VOD rembourse le jeu en vrai. Et Regarde. ça, c'était le jeu de Clover. Et de Capcom aussi. Ouais, et c'est ça, ils avaient fait Beautiful Joe, celui-là. Et le meilleur jeu de la PlayStation 2, là. Le Beat'em All. God End. Ah, Goden, bien sûr, ouais. Mais Voilà. alors Piano 3, il est moins. Les gens aiment pas trop, hein. C'est pas Ouais. considéré comme un bon jeu. C'est le jeu où c'est cette meuf qui danse et qui dash là sur le côté dans un monde cybernétique. Ça faisait partie du deal, tu sais, de Capcom qui devait faire 4 ou 5 exclus pour la GameCube là, Ouais, c'est dont Resident ça. Evil 4 Ouais. et Beautiful Joe. Parce que Beautiful Joe PS2 est sorti presque un an après la sortie GameCube. Hein. Et du coup, donc c'est Piano 3, 968 yens, donc 7 euros. Voilà, en une VOD, c'est rentabilisé. Hein, donc Le perso qu'on n'a jamais revu. c'est jamais perdu. Nulle Hein. part. Oui, c'est clair, mais il a bidé de ouf le jeu. Ouais, mais tu sais, même de quand il y a eu Marvel Capcom 3, tout le monde disait, ouais, mettez PNO 3, tu sais, genre, ils vont la Ouais. remettre comme si... Un petit jeu stylé à jouer avec les Kongas. Donc les Konga 3, qui est exclu au Japon. Il n'est pas sorti chez nous. On n'a eu que le 1 et le 2. Oh, Et le sur Jungle PC. Beat. Et celui-là, c'est le 3. Donc avec. Ah bah, alors là déjà vous allez faire, ok, le jeu il vaut le coup, je l'achète tout de suite. Il y a Chala et Chala de DBZ à Kongaté. Donc qu'est-ce que tu fais, comment tu fais mieux? C'est vrai que là-dessus, bon. Ah non, mais Il y a ouais. Funky Kong, il est stylé dessus, hein. Regarde. Artwork, il est trop stylé. Regardez ça. Funky Kong, mon Ça, les king. amis, c'est un jeu qu'on va streamer et on va en parler quand on streamera. Tu sais ce que c'est, ça ou pas? Druaga? Tower of Druaga. C'est le vrai ancêtre de Dark Souls. Regarde les graphismes derrière, quand je les montre vite fait aux gens. C'est un espèce de Pac-Man Gauntlet, tu vois, Diablo Early, quoi. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la réédition GameCube anniversaire de Druaga, qui est un jeu à la base en arcade, puis après qui est sorti sur Famicom, et qui est en fait un jeu impossible. Et Ah c'est le ouais? vrai ancêtre de Dark Souls. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un jeu d'arcade, le truc qui arrive, c'est des espèces de labyrinthes, mais totalement pété, genre en mode random, enfin sans te prévenir, parce que c'est pas random, mais sans te prévenir, il va y avoir un monde où, je sais pas, les murs vont te tuer, où il y a genre, y a une clé qui apparaît que si t'as tué les squelettes dans un bon ordre, des conneries comme ça, tu vois, vraiment des trucs, mais pété de la tête. Et du coup, les joueurs, plutôt que de se casser le cul, ils ont commencé à faire des livres d'or à côté des bornes d'arcade où ils écrivaient les strats. En mode genre, attention, au niveau 33, là, il y a un squelette, il m'a baisé la gueule. Et il y a un mec derrière qui a mis une note, genre, ah oui, mais en fait, faut l'attaquer dans le dos. Des conneries comme ça. Ça te rappelle pas le système de graffiti de Dark Souls? Oui. Parce que c'est ça l'ancêtre du Dark Souls-like. Et c'est basé, et en fait, sans Tower of Druaga, tu ne peux pas remonter jusqu'à Dark Souls, et même les Kingsfield de From Software, parce que c'est Ah. entièrement inspiré de l'alchimie qui s'est créée autour de Tower of Druaga, un jeu impossible à finir tout seul, mais C'est pour ça communautairement qu'on dans la pouvait laisser douleur. des messages dans Oui, Dark Souls. voilà. C'est basé sur les livres d'or de Tower of Druaga. Sceau C'est stylé ou pas? dessiné, c'est stylé. Alors là, attention, gros jeu de merde. Le pire Musou-like de l'histoire, Mystic Heroes, mais Battle Ushin en japonais, un des pires jeux, il est sorti en Europe celui-là. Hein. Ouais. C'était un peu un mauvais Musou, 380 yens, donc 3 euros même Pourquoi tu pas. l'as acheté alors? Bah parce que je vais streamer aussi de la merde. Tu sais, Ah! pourquoi j'ai acheté le jeu Versus Rastan? Tu croyais qu'il était bien? Versus Rastan? C'est le Rastan Versus que j'ai looté la dernière fois. Ah, Il était purée. zéro. Bon, Mais tu as joué alors, tout seul, du j'ai joué avec coup? Ganesh. Ah J'ai joué en ouais? Et Versus. alors, qui a gagné? Ganesh, je crois. Donc on joue à 4, donc tu peux revenir. C'était un mauvais Power Stone. Et celui-là, par contre, il est vraiment bien. Et on le voit pas souvent. Ouais, c'est Sugar Slam. Selon les dires de Julien, on le voit pas Purée. souvent. Mais la jaquette japonaise est vraiment super stylée. J'avoue, elle est archi stylée.
Un gros jeu, c'est le jeu de Timothée, ça. À chaque fois, il veut qu'on y joue. Et il est mieux que le Mario Soccer. Hein. Ah ouais? Ah Oui, bien ouais. sûr. Luc Herzog, merci, Il est frère. mieux que le Mario Soccer. Tous les persos sont stylés. Tout le monde a une super attaque où ils peuvent Mais je s'enflammer, sais, je transformer en l'avais, je l'ai lave. prêté au petit frère d'un pote, il me l'a jamais rendu. Fils de pute. Il a eu le temps de se grandir, d'avoir une femme, de faire un enfant, de divorcer, qui me l'a jamais rendu le jeu. Je te jure. Et je voulais montrer tout à l'heure. Là, c'est le dernier jeu. Juré, j'ai fini après. Ah non, j'en ai un autre. Regardez la jaquette de jeu. Dites-moi, genre, ouais, non, nanana, tu fais chier d'acheter des jeux. Genre, je voulais montrer Elfaria 2 il y a 2 secondes. Voici la jaquette d'Elfaria 1. Regardez cette boîte, comment elle est incroyable. Avec les flammes là tout autour. Ouais. Pff, mais non, mais ça. Là, on dirait Maximo le perso, hein, direct. Et du coup, c'est un RPG un petit peu stylé. Ça se trouve, il est pourri le jeu. Mais je le ferai en émule en anglais, je m'en fous. Ou tu vois, je le streamerai peut-être. Mais pour la jaquette, tu laisses tomber, quoi. On dirait un peu Nullbug, c'est vrai. C'est quand même plus beau que les dessins de Nullbug. Ne dites pas ça à l'auteur, parce que je fais des voix dans le jeu Nullbug. Mais non, c'est vraiment incroyable. Et un petit jeu qui vous rappellera un défi avec Kirby 54. Fighter Tu sais que je Megamix. l'avais en PAL, mais je l'ai pas en Jap. Voilà. Du coup, là, je vais pouvoir y jouer en 60 Hz. Parce que Là, ça, c'est un on grand l'a jeu. dit. Hein. C'est un vraiment grand jeu. Grand jeu, oui. Oh, le roster, il est Oui, grand incroyable. jeu du schnapps, oui. Ah là là, tu peux jouer la voiture, tu peux Mais il jouer faut que tu un. débloques les persos et que Ouais, tu par contre, c'est chiant, sauvegardes. ouais. Ouais. Regardez les persos qu'il y a. T'as l'espèce Genre, tu vas te faire chier à faire la fin d'ours en avec tous les baudruche. persos et tout. Il suffit de faire le mode arcade 10 fois. Hein. Tu sais, Ouais, ça prend une après. ça Hein. peut aller vite. Moi j'avais un Kagemaru, parce qu'en fait, l'un des trucs que les gens savent pas, c'est que Kagemaru, donc le ninja que j'appelais Kajmaru, le ninja de Virtua Fighter, là, Oui. et ben, il avait déjà les coups de Virtua Fighter 3, mais sur la Saturn, dans Fighters Megamix. Donc il a son Dragon Punch. Sans Il a un dessin. dragon à partir du 3, et il a le dragon Moi, je peux dans parler Fighter de. Megamix. Mais ben, vas-y, parle de Zoom. J'ai looté ça aussi. Un jeu à 100 yens. Voilà. C'est d'après vous, c'est un jeu de quoi? On dirait Là, un jeu quoi. de balade champêtre ou de qui se passe dans un monde. On dirait les visiteurs en fait. Je sais pas, vous pensez c'est un jeu de quoi ça? Alors en état géo, si tu lis le Attends, je japonais, vais dis dans le pas. Hein. frigo et ouvrir Un jeu de vélo. me prendre à boire. Hein. Minecraft, un jeu de chiasse. Voiture. C'est la carte au trésor. Deux ponts, ouais. Construction, le chiasse. C'est GeoGuessr, ça aurait pu. Hein. PS qui donne comme sur un jeu de charpentier, non pas du tout. Death Stranding. Ah, c'est un peu Death Stranding, c'est vrai. Un jeu de gestion, non. Ah, c'est ouf, personne n'a trouvé c'est un jeu de quoi. Alors que Julien connaissait bizarrement. Non, il connaissait pas, il connaissait pas. C'est moi qui. Après, on l'a regardé sur YouTube. Ah, un jeu. Un jeu Vas-y, de quiz, non. lâche C'est l'affaire. un jeu de golf. Et oui, les amis, c'est Saint-Andrews. Hole de course, le jeu de golf. Bien sûr, bien entendu, qui voit Le d'autre? meilleur jeu de golf de la console. En parlant de meilleur jeu de la console. Ben bien sûr, regardez ce que j'ai trouvé, Zoom, avec la C'est trop bizarre que t'aies jaquette. trouvé ton jeu de chiasse en Jap, putain. Mais il est terrible ce jeu! Le Zoom, je l'ai dit. Ah, tu l'avais dit, Kekun? Ah, bah désolé, pardon. Désolé, Kaikun. Ah oui, Kaikun, salut. Oui, Zoom, Zoom. le jeu des vrais. Zoom hors Doom. Qu'on vous a montré en PAL Bien dans sûr, l'épisode et sur là il est Games en in World. japonais, donc je pourrais y jouer en 1000 FPS. Ah oui, c'est Ah. vrai que là, c'est la version 60, c'est l'arcade perfect. Regarde. Oh, la tête derrière, quoi. Il est stylé, regarde avec cet œil là de bicurieux sur le Du côté. culot. Il est trop stylé. Mais c'est jouable à deux. Avec ton zoom, quoi. Regarde, un, deux. J'avoue, ça donne C'est de envie, hein. l'e-sport, monsieur. Oui, donc il n'était pas trop cher, 780. Surtout parce que, regarde, elle a un peu pris le soleil. En fait, Hein. t'as presque dépensé autant d'argent que moi. Elle a. Oui, quasiment. Bien sûr. Peut-être, ouais, si je prends le Soundwave après une balayette, peut-être, ça équivaudra. Regarde, tu vois, mais en fait, il est zoom. Comment on dit quand il est sun. Je sais pas quoi, là. Sunfade. Voilà, il est sun fade, mais comme il y a un soleil sur la jaquette.
En fait, c'est son propre rayonnement qui s'est sunfade. Je pense. Mais en fait, moi, je croyais juste que l'artwork était un peu clair, c'est tout. Ah ouais, non, là, il est clairement sous le fait. En fait, c'est écrit en japonais, là, c'est Ah pour oui, ça. c'est écrit, Bah, oui. sinon, ça reste un jeu qui doit coûter vraiment dans les 15 000 C'est ça, en yens. fait, c'est que genre, la version parfaite, elle est à 900 yens, tu vois. Je pense que ouais, c'est ça, il aurait fait Bah, moins en en vrai vrai, des le Il y a Virtua quoi Cop, là-dedans? en vrai, le pack Virtua Cop Jav 1000 Il yens avec le gun, non, 780 yens avec le gun et avec le jeu. Le problème, c'est que Virtua Cop 1, il est vraiment moins bien que le 2, quoi. C'est pas vraiment. Ouais. Le 2, il supplante tellement Mais le t'as le 1. gun du 1. Mais de toute T'as façon, le c'est gun qui va sur le le 2. même gun, hein. Bah oui. Même pour House Et of the Dead, c'est ce gun-là. du coup, Mais si du coup, t'achètes le 2 avec le gun, vous pouvez jouer Ah, à mais 2. putain, par contre, non, ce qui est stylé, c'est que c'est le gun en noir. Alors qu'en France, on n'avait que le gun en bleu. Et là, c'est le gun en noir qui est plus stylé, qui est plus comme dans le jeu. So Disney. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai jamais joué à Virtua Cop 3 sur PS2. Oui. Alors que. Il y avait un espèce de Virtua Cop-like qui était non officiel, c'était Confidential Mission sur Dreamcast. Il y a joué à ça? Ouais, je vois c'est quoi. Qui est juste Virtua Cop en fait. Hein. Ah, c'est la C'est le même même. système de jeu, c'est D'accord. Sega M2, c'est les mêmes gars. Hein. Mais les meilleurs jeux, c'est les Typing, hein, Typing of the Dead. Ah, ben justement, Tout on a. ça, c'est. Alors, bon, je vous spoil un petit. Je sais que Guillaume n'aime pas quand on spoil Hard Il Looters, aime pas. mais bon, vous êtes. Écoutez, on est entre nous là, vous êtes 700 viewers. Je peux vous spoiler qu'on a vu un jeu de typing assez cool, Saint Seiya. Mais en fait, ça vous Ah tease. ouais? Ça vous tease parce que tu vois, le même lui, il a pas vu, donc il regardera dans l'épisode le jeu de typing Saint Seiya sur PC. Qui était en D'accord. boîte, dans une boîte brillante. Sur PC? D'ailleurs, juste pour vous respoiler, on a vu le jouet le plus cher, je crois, que j'ai vu dans Hard Corner, dans Hard Looters. Ah, tu parles de ça. Non, faut pas parler de ça, faut pas. J'ai jamais vu un truc aussi Bon, cher sur de ma papier. vie. Bien sûr, il était acheté avec l'argent du Kiss Kiss. Bien Non, sûr. attention, les gens vont plus écouter après. Nya Moi, j'aime bien quand il fait ah, mais ils y repartent, tu vois. Bref. Donc, pour ceux qui connaissent, parce que moi, enfin, sur le coup, j'étais genre, what the fuck, c'est quoi la rip? Pour ceux qui connaissent, le grand pop vintage en Saint Seiya. Ouais. La version que tu pouvais avoir quand tu renvoyais des bons à plusieurs points parce que tu avais acheté tous les autres chevaliers et D'accord. par tirage au sort des gens qui avaient acheté tous les chevaliers, Ah il y ouais. avait seulement 10 000 personnes qui ont reçu Le grand le pop. grand pop qui était en kit avec une grappe que tu remontais un peu comme un Gundam. D'accord. Donc imagine sur le nombre de gosses combien l'ont Mais il est en gardé. plastique? Ouais, il est en espèce Ou en de. Non, il est métal? en pseudo. Il est brillant en tout cas. Parce que D'accord. en fait, on n'a pas pu le toucher. Donc. Imagine le nombre de gosses qui l'ont reçu Mais c'était déjà en quelle année ça, à à l'époque? l'époque en 87. 87? Si c'est à mon âge le truc, hein. Donc imagine le nombre de gosses qui l'ont gardé et qui l'ont gardé neuf déjà. T'as ceux qui l'ont monté, t'as ceux qui l'ont neuf. Le prix. Donc là, il était en loose. C'est ça qui était génial. C'est que là, il était en loose. Il n'y a pas la boîte, hein. Il n'y a pas la boîte. T'as juste l'armure du grand pop en fait qui flotte un petit peu avec un bonhomme noir sur un trône avec un drapé. Dites-moi à peu près le prix que vous pensez. Le temps que je réfléchisse à la conversion, c'était. Environ, hein. 2000 euros, ils disent. Attends, putain, mais en fait, je veux pas dire de conneries, mais je. 7 500 euros. Dites-vous que c'est une figurine qui est grande comme ça, hein, c'est tout petit, hein. C'est ça. Donc il était à. Donc dites-vous que c'est juste un vieux Senseiya, hein, en métal, sans boîte. Ah, c'est le Comme grand ça, dans pop quand son même. jus. Mais c'est le grand pop. Tu dirais combien, toi? Tu te souviens du prix? Ah non, je sais même pas, moi je l'ai même pas vu. J'irai, attends, 10 000 euros. Non, il était pas à 10 000 euros. Moins. Il était à 1500 euros. 1 500 euros. 170 000 yens. Quand tu vois 170 000 yens. Genre, ah, Mais d'accord. il est grand comment? Mais il est grand comme ça, là. Ah oui, il est comme ça. Mais il est comme les vieux Senseiya cassés du cul, là. Ah ouais. C'est pour un bonhomme qui est comme ça, là, et qui est tout seul, hein. C'est genre, Mais il est sur l'étagère si comme ça. déjà Il coûte 1500 si balles. déjà il fallait avoir acheté toute la collection de l'époque, donc déjà tout Oui. ça entre dans le prix de Du la perso, en fait, quelque figurine. part, oui. Voilà, en plus tu rajoutes à ça les points,
Le tirage au Ensuite, la sort, chance du tirage au sort, la ouais. chance du tirage au sort, évidemment, c'est exponentiel. Voilà. Et là, il le vendait 1500 balles, le truc. Alors après, le vrai truc qu'on a vu le plus cher, c'est le Godzilla à 1 million, Ah oui, 1 j'avoue. million 100 000. Ah bah, 1 100 000. Je crois que c'était 1 million 100 000 yens. Ouais, mais je crois que Truc à 11 000 balles, quoi. Ouais, mais c'est genre un truc. Tu vois, c'est de l'artisanat, c'est un truc, il est forgé en fer, c'est une théière en fait, je crois. En gros, c'était un. Mais Cartier a pris une photo. En gros, c'était la tête de Regardez, Godzilla qui regardez ce sort de. Godzilla. La... Mais non. Je l'avais oublié, lui. Il est garanti ou pas? Attends, regarde, voilà, c'est ça. Mais en fait, je crois que c'est une théière. Regarde. Bon, là, comme ça vous dit rien. Putain, ça ressemble à rien d'ici, quoi. Ouais, mais je crois que Ah, mais c'est une c'est peut-être une théière en théière. métal. Tu vois, parce que c'est du métal forgé par un gars dans sa Mais c'est montagne bien 1 100 000, à la donc trente. Ouais, 10 000 euros, quoi. dans la plus grande tradition. 10 000 euros, c'est... J'ai pas 10 000 euros. J'ai dit 10 000 euros. 1 100 000, ça fait Ça fait combien? 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais. Moi, on dirait une flaque, mais c'est vraiment une. Je pense que ça doit être un genre de thé, le truc pour faire le thé traditionnel, mais en lave ou je sais pas en quoi il est. Les gens disent du caca avec une teub. Ok, on peut voir comme ça aussi, mais si c'est un artisan de l'époque qui l'a fait, ça peut monter très vite. Peut-être Uniqlo? Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui! C'est genre, ouais, c'est bon, voilà ce qu'on a acheté aujourd'hui, mais non, en fait. Bah non! C'est pas fini! Bah Ouais, non, le oui. Godzilla, on l'a acheté qu'avec l'entreprise, qu'avec, en fait, votre argent, quoi. Parce que du coup, on le loot. En fait, pendant le prochain live, on boira du thé dans la théière à 10 000 balles de Godzilla, quoi. Et on la Grosse. donnera à Kirby 54 par tirage au sort. Bien sûr. Tu sais, c'est le gros truc, vraiment, tu sais, qui m'a beaucoup trop loin. Bon, alors là, Uniqlo. Dites-vous qu'on est arrivé à la fin d'Uniqlo, donc on n'a pas eu le temps de looter autant qu'on voulait. Hein. C'est vrai. On s'est fait dégager d'Uniqlo. Regarde, il est où le t-shirt contrat? Tu l'as acheté, je crois. Ouais, il est dessous, en fait, les jeux, là. Ah, vas-y, Hop. remontre-le. Donc, déjà, petit t-shirt contrat. Qui est magnifique. Franchement, très stylé avec Lance et Bill. Hein. En pixels. En pixel art, perfect. Franchement, ils ont tellement respecté les franchises. Ça fait trop plaisir, quoi. Stallone et Schwarzy, quoi. Franchement, Contra, en plus, c'est Stallone et Schwarzy qui se battent contre des aliens. Vraiment, Contra, ils se sont toujours contre-foutorchés avec les copyrights. Hein. Ça devrait faire C avec copyright infringement, quoi. Du coup, c'est la collection Uniqlo. Et donc, ça, c'est des t-shirts à 1 500 yens. Hein. Donc, c'est des t-shirts à 10 balles. Hein. C'est vraiment. Si vous commencez à stresser parce qu'on a acheté des t-shirts, calmez-vous. Ah, celui-là est trop beau. Putain, je suis dégoûté, y a pas ma taille. Regardez Regardez ça. celui-là. Donc là, il y a le Avec petit la logo poche. X-Men, la petite X-Men poche. embrodé, hein. Embrodé, ça c'est de la brodance, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est magnifique sur la poche. Et là, Et là, en bas, tous les World Boss là. sur le côté. Regardez, Omega Red. Magneto! Et T'as vu Jules les Ernest. pixels, putain, c'est tellement Voilà. beau. Non, c'est trop. C'est abusé. Trop de la balle. Oh là là, le X-Men, il est invincible. Il est invincible, il fait chier, ils avaient pas de XL. Putain. Alors ensuite, Omega Red, bah ouais. le Rockman, un peu plus. Les Rockman, ils ont plus joué avec les logos, quoi. Tu vois, Ouais, genre. celui-là, je trouve pas ouf. Oh, Ouais, c'est il discret. Tu tire. peux mettre un truc un peu plus corpo autour, tu vois, genre, c'est pas grave. Ouais, je sais C'est le geek, pas. ça c'est le geek chic, tu vois. C'est genre, ils prennent un logo, genre Ah, le. toi, tu trouves ça chic, non? Par rapport au fait que je m'habille 100% du temps comme un débile, oui. Là, pour moi, c'est déjà soft, quoi. Bon, par contre, Ah, celui-là, celui-là, il en est plus, t'as le invocable. tien. Voilà. Attends, c'est Celui-là, celui-là il le y avait tien. le XL. Celui-là, il y avait le Mais j'ai acheté deux XL. XL parce que j'ai pris un XL aussi Voilà. pour mon Celui-là, pote. il est trop beau. Voilà. Zouan. Oh là là, mais putain, c'est tellement bien fait! Et en plus, t'as le petit truc là dans le coin, là, genre Sonic Time Rings, et Score Time Rings et tout. C'est trop bien. Ah, il est trop cool celui-là. Celui-là est garanti. Puis sa couleur est super belle et tout. Uniqlo en couple. C'est ça, moi et mon mec.
Donc moi j'en ai, en fait j'en ai acheté un et j'en ai acheté un pour un pote. Il dit pas que Ouais. c'est le joueur du grenier, mais bon. Et là j'ai acheté aussi pour un pote qui est assez master en Tetris. Je l'ai même pas acheté pour moi, mais. Tetolissu. Tectolis. Oh, regarde, il Ah, est cool celui-là, il est celui-là. beau, Hein. hein, celui-là, il est beau. Oh là là, c'est une poche. Hein. C'est une petite poche et pouf, la barre elle rentre dans la poche pour sauver le Tetris là. Boum. C'est stylé. Hein. C'est la classe, c'est vraiment sobre et tout. Franchement, je pense que mon pote va kiffer. Ouais, celui-là, il est bien, il est propre. Il n'y a rien derrière? Non. Et là, il y a Ah, celui-là, celui-ci. il est trop pété, celui-là. Axeman! Axeman! Tchoum, tchoum, tchoum. Moi, je suis un mec de Children of the Atom. Hein. Avec le logo, là, oh là là. Il est en pixel. Magnifique. Hein. Il est en pixel. Et là, Ah non, derrière. montre pas ça. Les gens ne C'est sont pas prêts. indécent. Non, montre pas. C'est indécent comment il est stylé, le Oh là là, le t-shirt, il est t-shirt. Oh pété. là là, toutes les artworks Super NES. Oh là là, Du c'est jeu trop X-Men que pété. personne n'a parce qu'il est trop cher. Quand on le voit, on pleure parce qu'il est à 10 000 yens. Oh là là, Oh il est là trop là. pété, laisse tomber. Il est Donc trop le bien. fauve, Gambit, Psylocke, Cyclope Le design de Jim Lee, et bien sûr. Serval. Serval. Oh oui. Serval. Il est trop bien ce t-shirt, quoi. Axeman. Tchoum, 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 Là, il est trop tchoum. pété. Mais cette collab, elle est ouf, hein. Il y avait Point, aussi, point. là où on a été au Tsurugaya, et en ce moment, il y a un pop-up store, Marvel, qu'on n'est comme pas c'est allé la voir. mode, ouais, le pop-up store Marvel, qu'on n'a pas été et qu'on C'est aurait le dû. attends, c'est le Surugaya de Shinjuku. Bah, c'est pas loin. Shinjuku, ouais, on pourrait aller, hein. C'était vraiment pas très loin. Enfin, c'est pas dur d'y aller, quoi. Ikebukuro, c'est pas loin non plus. Genre. Juste que je sais pas pourquoi, genre, Ikebukuro, je m'y perds plus facilement qu'à Shinjuku. Hein. Enfin, que Shinjuku, que Kabukicho. Parce que Shinjuku, c'est tellement grand. À partir de l'autre côté de la gare, je connais pas, quoi. Je me dire que la clim, on est d'accord qu'elle a jamais marché là. Bah, je pense qu'il fait plus de 16 degrés, ou alors c'est que tu m'excites, quoi. Non mais parce que Ouais, il fait chaud. Non, moi il fait chaud. mais on peut ouvrir la fenêtre, hein. Ah, t'es fou jamais. Imagine il y a Quoi? des bêtes errantes et nous tuent. Et dès que t'as vu le cafard qu'on a vu tout à l'heure dans la rue, tu veux que moi j'ouvre Imagine, les. il mord dans ta bouche. Ouais, c'est ça, ils pondent des œufs dans mon sommeil. Non, 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 t'es ouf. Il y a ouais les mandragores, ils ont raison, il y a des mandragores. Tout à l'heure, on a vu un cafard, il était gros comme ça, là. Il était là dans la rue, en mode tranquille, Alors je me attends, je vais balade. compléter mes petits jeux. Hein. Le Switch là, oh là là, je vais jamais l'allumer quoi. Enfin, je veux pas qu'on voit ma raie Sonic, du son Sonic. Ah mais voilà, mais du coup t'as tout fait. Bref, du coup une journée normale quoi. Enfin, on n'a pas fait les dingues quoi. On peut faire mieux. Que le caca. Non, que celui-là, là. Ah oui, lui, ah oui. Ah, les deux sont rattachés à ma bâtonne. Enfin, le Si tu caca devais en aussi est perdre un. assez invincible. Si tu devais en perdre un. Qu'est-ce qui te ferait le plus chier, de perdre le caca ou de perdre le One Piece? Je sais pas, parce que le Sachant que ça caca. coûte 500 yens au truc d'à côté qui est ouvert tout le temps. Merde, tu sais où tu l'as mis le jeu Switch dans lequel il n'y a pas la cartouche quoi. Je retrouve pas. Lequel? Le Sumiko, le seul jeu Switch que j'ai acheté. Le truc avec Switch. Bah c'est ça. les games. Oui, mais Bah du c'est coup, ça. le jeu, il est où? La Ah, boîte la du jeu. boîte. Bah la boîte, elle est soit dans le sachet, soit là dans le coin. On l'a pas Donc pour ceux perdu, qui hein. connaissent vite fait, Viper GTS volume 10, V10, Viper V10. Je peux pas vous montrer la boîte de derrière, mais bon. Il y a des gens qui connaissent, des gens de bon goût, et ça coûte 10 balles. Donc quand tu veux faire le Ça full commence à set tout des jeux qui remplir t'ont dans ce fait sac. ton adolescence. Oh, ils sont là les jeux. Là-dedans. Ouais, c'est bon, ça va. Enfin, je vais assembler mon. Mec, il a acheté 40 jeux. Sachant qu'on est allé au Don Quichotte et j'ai pas acheté de valise. Oui, d'ailleurs, demande, il est là, Netageo, ou pas? Mais Tageo, c'est Widad ou. Non, c'est Mehdi. Ah, oui, je suis trop con. Hein. Bah Oui, mais en oui, plus, je le sais, quoi. il faut suivre Netageo. Ah, bah oui, bien sûr. Il a mangé avec nous en plus avant-hier. Il est peut-être parti dormir parce que lui Oh, il aussi n'y il a est pas à la l'heure notice. japonaise Attends, que c'est lui. quoi? Ben non, il n'y a pas de notice en fait. Je suis con, c'est un Sur jeu de Switch Switch, maintenant. ouais, mais sur Switch. Ouais. Mais ouais, Je sais pas. je veux un bon plan pour acheter une valise. Ouais.
pourras demander à Widad, hein. Ouais, Widad, il a dit qu'il serait. C'est pour je acheter des valises à 10 000 yens. Oh, le mec, quoi. Tu peux ouvrir un magasin, là, hein, je te jure. Ah ben... Là, ils ont ouvert un magasin pour moins que ça. Oui, hein. C'est ça, il y a des rayons rétro moins stuffés. Je suis trop content, son micro collège. Non, mais le Soundwave. Ah, le Soundwave, il est touillant. Hein. C'est vrai qu'il fait mal, il fait mal. Caché à l'eau. D'ailleurs, parce qu'en fait, c'est en jouant à ce jeu et en le streamant, le DBZ, que je me suis découvert la voix de Vegeta. En fait. Ah bon? Avant, je ne l'imitais pas. Hein. Et à force de le lire et tout, les gens disaient « Attends, fais-le plus comme ci, comme ça. » Et on a essayé de trouver le sweet spot pour bien le faire. Le sweet spot. Il y a toujours un sweet spot. Ouais, c'est le point G. Ah bon? Le point VG. Le point VG. L'IVG. Vegeta. Ce main. Mais par contre, là, ils ont tellement mis du scotch de partout que je sais pas comment j'ouvre le jeu pour mettre ma cartouche GBA dedans, quoi. Tout ça pour m'énerver en plus. Putain, j'ai la musique de X-Men dans la tête, c'est le Select Screen. D'ailleurs, X-Men sur Saturn, j'ai jamais réussi à faire le code pour avoir Gookie. Hein. Je n'ai jamais réussi à le rentrer. Ah oui? De ma vie. Alors que j'ai eu le jeu toute ma vie. Après, est-ce que c'est. Le code. Bah c'est un peu une manip à la Street Fighter 2X, quoi. Ah oui, c'est rester 2 secondes sur un, rester 2 secondes sur un, ouais, ça. C'est trop chiant. J'ai jamais réussi à avoir Gookie, à jouer avec Gookie. Hein. Quand j'ai vu les images, j'ai fait putain, ça avait l'air bien. Déjà en arcade, moi j'ai pas réussi souvent à lui faire hein, le code de Gookie. Mais c'est ouf, quoi. Mettre un perso caché, c'est bon, ou là, vraiment, en fait, une manip simple, quoi. Genre, ouais, mais si tu le rates. T'as un autre perso. Ouais, oui. Du coup, bah, tu remets 100 yens pour réessayer le code. Ah oui, putain. Bah oui, c'est ça qu'il faut penser. Il y a un business derrière à faire tourner Coco Lapin. Coco Lapin. Oh, il y a la notice. Yes. Oh putain, la notice, elle est stylée. Bah, tout m'excite. Hein. Je vais regarder, moi, si elle est. Oh, la notice en couleur. Oh là là, il y a les frames d'être là. La beauté, ce Super Sonic Warrior. J'adore ce jeu, hein, vraiment. J'ai découvert en émulation, j'y ai joué toute la semaine. Ah ouais? Je voulais plus jouer à rien d'autre. Hein. Le mec, mon gars, j'avais un. 10 ans après. Tu sais, tu fais la. Non, c'était à l'époque où tu pouvais pirater les jeux Game Boy Advance quand ils sortaient, hein, sur PC. Hein. Oh. L'émulation, elle tournait des voiles. Et du coup, tu sais, dans le jeu, il faut choisir un perso, puis après, ça force. Tu sais, par exemple, tu peux avoir un Vegeta, un Piccolo 1, mais un Piccolo 3 aussi. Et au niveau de sa résistance et tout, avec mon Piccolo 1, en fait je prenais Piccolo 1 et un Piccolo 3, parce que tu veux faire des équipes avec 4 points, tu vois. Mm-hmm. Et avec mon Piccolo 1, je défonçais quasiment toute la team, et quand peut-être je perdais, j'arrivais avec le Piccolo 3 qui faisait 6 fois plus de dégâts, et le mec il crevait direct, et j'ai baisé tout le mode arcade comme ça. Enfin, j'ai tout fait dans le jeu. Ouais, c'est quoi qu'ils ont donné avec? Ouais, il y a un jeton collector ou quoi? C'est quoi ce truc? Je sais pas. Ouais. C'est quoi ce truc? C'est pour la croix, on dirait, c'est un truc pour coller sur la croix. Ah, c'est la. Ouais, putain, on dirait un truc. Ouais, c'est l'arcade perfect, quoi. T'as un truc à coller sur la croix. Mais oui, parce que tu sais, en fait, tu vois pas comment c'est fait, toi, le. WonderSwan. La WonderSwan. Mais en fait, la WonderSwan, la croix de direction, c'est vraiment 4 boutons, en fait. Ouais. Mais qui sont vraiment séparés. du coup, tu colles ça au milieu. Et là. Tu peux commencer à faire des cartes, tu vois. Ah, ils te le disent là comment tu le colles. Du coup, tu colles un jeton de croix sur tes 4 boutons. Et du coup, tu as plus de quarts de cercle, quoi. Tu débloques les cartes, tu unlocks la strat, quoi. Oh là là. Hein. T'as gardé qu'un seul des t-shirts Sonic, hein, là, quoi. Oui. Sinon, je m'énerve. Hein. Ouais, il y a maille. Oh, c'est trop stylé. Ouais, les persos sont les persos. Ouais. Il y a elle, New Face. New Face. Non mais ça veut dire qu'elle est nouvelle. Oui, bah c'est pas son nom. On l'a jamais vu ailleurs, ils l'ont jamais remise.
Infirmière avec une grosse picouze. Les deux persos Ah, je sais cachés. pas vous, mais moi je me sens mieux. De quoi? Sachant que j'ai Non. acheté à Karaté Pokémon épée. En achetant le Ah! double pack. Ah oui, il faut qu'on fasse le switch là des persos. C'est toi qui as pris les DLC, hein. C'est toi qui t'es servi en tout Oh cas. Hein. non, j'ai jeté les C1 et j'en ai pris un, mais en fait, Fallait inverser. j'ai pris celui-là qui est dans. Mon Jup, il va jamais y jouer. Il y a la version française dans la version Jup, noob. Il y a toutes les Nouboyaru. versions sur la cartouche. Et oui, nous sommes en l'an Là, je le mets dans ma Switch, le jeu, 2019. il démarre en français. Là, il te demande D'abord. quelle langue tu veux. Donc là, on a pris le double pack pour avoir le packaging inédit. Et les DLC pour pas qu'on se fasse baiser. Et puis ensuite, on a baisé. Qui... Part en sucette, quoi. Ça va pas, toi, en ce moment. Désolé. Excuse-moi. Souvenir, souvenir. Non, c'est que je pense à ça en Souvenir, voyant la banane. souvenir. Pour faire des creepers. Les Attends, je l'ai pas mise en plus moi la forbans, banane. les forbans. Vas-y, top. Souvenir, souvenir. Alors Vas-y, tu top. zippes, tu zappes, tu zippes et tu Et mais zappes. ça c'est les inconnus. Ouais. Tu flippes, tu Flap, flops. tu zippes et tu flap. C'est là, ils montraient vraiment comment c'était des escrocs, quoi. Ah, j'ai des Ah, ce couilles. Dick Rivers, Quand tu zippes, ce tu Dick zappes, Auto tu Rivers, zippes et quoi. tu zappes. Ouais, c'est le charisme tout de suite. Faut mettre les lunettes. Non, celle-là. Mais pourquoi je mettrais des... Mais j'ai des lunettes, moi. Ouais, c'est stylé de ouf, Vas-y, tape, tape, hein. tape tes mains, c'est sympa, chouette. Ah, Alors les baskets, c'est sympa. Tu verras, chouette, les baskets. tu zippes, tu zappes, tu Tu zippes et tu flops. zippes et Tu flippes et tu flops. tu zappes. C'était les meilleurs les inconnus, c'était Ouais, invincible. bien sûr. Alors, sketch de Dorothée, sur Dorothée, il est toujours aussi génial. Hein. En fait, c'est marrant parce qu'on dit souvent, c'est pour parodier quelque chose, faut un peu l'aimer aussi. Mais tu sentais qu'il détestait tout à fait ce qu'il parodiait, Ouais, quoi. et puis de toute façon, il est craqué quand même, le truc. Oui. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que par exemple, tu as la parodie des Bioman, les cadrages et les costumes sont tellement bien refaits que tu te dis, mais en fait, ils ont kiffé, quoi. Enfin, genre, ou alors, du moins, en tout cas, ils en ont beaucoup regardé. Parce que putain, les cadrages, des fois, tu pourrais recuter des vrais Bioman derrière, c'est pareil, hein. C'est vraiment un truc de fou comment ils avaient un bon réal pour faire les parodies, hein. Ou comme Jean-Claude Van Damme en Jean Valjean, quoi. Oh, il est pété celui-là. Me dit Oïd. Tu veux que je lâche la petite aussi? Petit artisan, merci frère. Ça me va bien, hein. Ouais, franchement, je trouve que t'assumes pas mal. Mais t'as vu, on en avait vu un vrai dans la. Ouais, y a vraiment des gens qui ont ce style, hein, encore au Japon. Moi, je pense que c'était un pour un cosplay ou un truc un peu rigolo, non? Ah, Souvenir, celui-là? souvenir. Ah, celui-là, il n'y a pas le bout de plastique. Mets-le en pépé sur Tinder, quoi. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. J'avoue. Alors tu zippes, tu zappes, tu zippes et tu zappes. Oh là là, Guilty Gilu. Guilty Gilu. Mec qui dit Mouda Mouda Mouda. Est-ce que vous avez vu ce tweet de Oh, le Ganesh? mec, il est resté traumatisé. Ce tweet de Ganesh où il dit juste. Alors là, il lui fait Mouda Mouda dans le cul! Jojo Bigard Aventure. Toi, ça y est, c'est... Ah, ça m'a fait hurler de rire!
Moi, je veux qu'il fasse en manga, quoi. Oui, il fait un manga Jojo Bigard Adventure. Ah, je l'achète. Là, il en vend plus que des Mélenchons qu'elle ne survivent. Ce qu'il a déjà, alors qu'il en a déjà vendu pas mal, hein. Et voilà. Hello. J'avoue, ça m'a bien. Je pourrais vivre comme ça. Guilty Gear petit. Guilty Gear, ah, il est content avec ses Guilty Gear petit. T'es content, mon petit, avec ton Guilty Gear petit? Je suis content. Yo soy contento. Non, ça fait plaisir, mais bon, je pense que j'y jouerai pas souvent. Déjà parce que j'ai pas WonderSwan. Déjà, t'as pas la Et console, en plus, c'est plus avoir dur. deux WonderSwan Ah, pour jouer en avec Versus, deux mais t'as fois. rêvé. Tu vas jouer contre le CPU comme moi quand j'avais Power Rangers sur Game Gear. Ah oui. Allez, y a pas de Allez. réseau. Ton meilleur ami, c'est moi-même. Ah ouais. T'imagines déjà à l'époque trouver quelqu'un qui avait aussi une Game Gear et un câble Link et le Par jeu. contre, je cherche bien la Game Boy Advance, la version Game Boy Advance de Guilty Gear, qui était Ah pas oui, mal ah oui, qui était aussi. bien, ouais. Ouais, elle Ils avaient était ce bien. système de compression de sprite là Ils étaient tout pour que le scale petits. il marche bien quand même. Moi, j'avais bien kiffé, j'avais un petit Potemkin dedans. Il y avait un peu l'Alpha 3, il ressemblait un peu à ça sur le GBA aussi. Il était vraiment incroyable. Et des piles. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut des piles Non, mais aussi. alors la WonderSwan, c'est une pile AA pour jouer 30 heures. Ah oui, il y a eu le trailer de Faust. J'ai vu C'est la massivité, hein. ils ont annoncé des trucs là sur Street Fighter. Vous savez ou pas, il y a une nouvelle saison qui arrive. Le Street Fighter Champion, je crois. Je sais pas si toi ça te parle. Il y a Kazuki Kazama qui est sorti dans Samurai Shodown. Samurai Shodown où j'ai fait du beat buy au Japon en arcade. Tu te rends compte ou pas? GG, j'avoue. Bon, c'était contre d'Horizon, mais Ah mais ça reste du beat buy en arcade au Japon. Et regarde, ils disent que l'édition champion, t'auras pas besoin de repayer. ok, Enfin. non, pour continuer à jouer, mais faudra quand même acheter les DLC si tu veux jouer avec. Ouais, mais tu pourras peut-être les payer avec l'argent du jeu, Ouais, mais la qui est fight très money, on est difficile. d'accord Ouais, que c'est de la merde. la fight C'était de la money. baise. Bah, c'est possible, quoi, mais faut se buter, Non, hein, mais faut y attends, jouer le tous les jeu. jours. Tu sais que j'ai dépensé plus de 120 € dans le jeu. Ah Et que ouais? j'ai toujours pas tous les décors et tous les trucs. Ah, c'est Parce que j'ai stylé acheté ça. une seule saison, les mecs ils sortent un short pour Sagat, j'ai pas le droit. Ouais, C'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est que Street Fighter V, tous les acheteurs Day One. Le oui. problème, c'est que les acheteurs Day One, c'est les plus gros pigeons. Donc, du coup, ils continuent à les pigeonner. Alors que ce qu'ils auraient dû faire, c'est comme Nintendo à l'époque de la 3DS, quand elle avait déçu qu'ils avaient offert des jeux en pagaille, ils auraient dû faire, désolé, les acheteurs Day One. La prochaine saison est gratuite, c'est pour nous. Comme ça, vous revenez jouer au jeu. Et non, ils ont fait nique ta mère. Tu penses? Ah oui, non, et du coup, moi, en fait, ça me fait mal de faire de promouvoir le jeu parce que je trouve vraiment qu'il est dégueulasse, quoi. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment, c'est malsain, quoi. D'avoir sorti le jeu en bêta full price, pendant un an tu joues à la bêta, ils finissent par mettre ce putain de mode arcade qui est une honte, fini. Le jeu est enfin pseudo complet, et ensuite les saisons, c'est genre des carottes de ouf. Le système de Fight Money est fait exprès pour décourager tous les joueurs qui jouent pas, on va se buter 10 000 heures sur le jeu. Genre, j'ai joué à peu près autant à Street Fighter V qu'à Overwatch. Bon, mais après aussi, à l'heure des charges, hein, bien sûr, je me fais un petit peu l'avocat. Hein. Le jeu est compatible PC, PS4, tu vois. Ouais. C'est un peu l'un des seuls, tu En vois. versus. Ouais. Et Day One. Bon, après, Ouais, le fait qu'ils aient réussi à faire ça. c'est déjà, faut pas leur demander beaucoup. Ouais, mais financièrement, Merci Mutronix. pour moi, c'est pas moral ce qu'ils ont fait. Ils te font payer des season pass dans lesquels t'as pas tous les costumes du pass, alors que les season pass rajoutent que 4 ou 5 persos et coûtent aussi cher quasiment que ce que ça pouvait te coûter de revendre ton ancien Street Fighter 4 pour acheter la nouvelle version. Quand Super sort avec 10 persos en plus, Super 4. Quand Super 4 sort avec 10 persos en plus, 6 mois plus tard ou un an plus tard, pour seulement 30 balles,
Tu Ouais, et revendais puis Street 4, t'achetais Super en Street, plus ça te coûtait même pas 20 balles. C'est le prix d'un nouveau Season Pass où t'as que 5 persos. Donc en fait, avec leur promesse, non mais vous achetez que le non, mais jeu de base, vous pouvez jouer, c'est de la banane. qui revendent les persos à chaque saison. Bon, à la limite, même s'ils veulent Mais ils sont tirer trop sur... chers. Oui, même si, mais bon, s'ils sont... Mais qu'ils mettent tous les décors au Voilà, moins. non, mais même si c'est le prix que ça coûte, c'est le prix, ok, pas de souci, voilà, ça plaît pas. Après, moi, là où je trouve c'est un peu dommage, c'est qu'ils sortent les persos au fur et à mesure. Oui. Alors qu'ils devraient les sortir les 5 d'un Oui, coup, pour que la mage, elle existe, pour quoi. que tout au long de la saison, bah déjà, les gens, tu puisses passer sur un nouveau perso. D'un seul Parce que coup, là, ouais. les pros, ils vont jamais jouer un perso qui a à peine 1 mois, t'as pas eu le temps de le roder en tournoi ou quoi que ce soit, tu vois, ça c'est... Ouais, non mais déjà ça c'est ridicule, mais qui te file au moins tous les décors. Ça veut rien dire d'avoir acheté un jeu full price plus deux season pass, et en fait quand tu lances le jeu, t'as 50 décors qui sont lockés, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est pas de la merde ça? Après, ils veulent que tu te butes dedans, t'achètes avec la fight money. Ouais, mais genre, en fait ils te prennent trop pour acquis en tant que joueur, quoi. Je trouve que c'est pas, tu respectes pas les joueurs, quoi. Tu penses? Tu regardes Overwatch à côté, c'est le jour et la nuit quand même. Oui. Mais après, bon. Mais après, cette saison-là, apparemment, ils sont Ils hyper repartis ont sur... vraiment pris les joueurs pour des vaches à lait de ouf, quoi. Elle est complète et pas chère, du coup, ça le coup. Oui, bah avec justement la dernière version, là, ils ont l'air d'avoir compris. Il y a tous les persos d'un coup. Ouais, apparemment, il y aura ce qu'il faut, la Ah mais du coup, dose je vais et... peut-être l'acheter vu que j'ai acheté le jeu que trois fois. C'est ça. Il y a Gilles qui est annoncé, en plus, Gilles de la Tourette. Ça manquait Il de était teasé à blanc. la fin du mode arcade, du mode histoire. Ouais, mais ça veut rien dire parce que... Du coup, c'est un Urien, quoi. Bon, Ben après, ouais, par c'est ça ou contre, rien. c'est ça, C'était Urien. ça ou rien. Ouais, allons-y. La galéjade, toujours. Mais Gilles, bah ouais, mais il ressemble vraiment copier-coller à Urien, en fait, c'est dommage. Oui. Bon. T'as vu Guilty Gear? Il s'appellera Guilty Gear Strive. Strive. Et Faust qui a été teasé. Ah ouais. Là, il est chaud, Oh, là. ça s'est pété par contre. Ah, moi je suis méga chaud pour le nouveau. Ah, j'ai pas vu le trailer sur Potemkin. Potemkin? Ouais, les gens, ils le voient là. Il le voit absolument pas. Bah, ça serait bien qu'on le partage quand même avec eux. Attends, et il faudrait que je fasse comment? Je sais pas, tu Si, montres ton oui. écran. Attends, hop. Faut que je fasse ça. Ah, ça on va faire un setup maléfique, hein. C'est toi qui sais. Navigateur. Après, je vais aller me coucher. Oui. D'ailleurs, plus tard dans la journée, Ok. vous allez avoir le teaser trailer de Non. Wisher. Ah oui? Ouais. Non merde, c'est pas ça que j'ai fait. Ça va sortir là, imminent. De quoi? De Des Wisher? Wishers que je t'ai montré. Ah, chef-d'œuvre. Merci. Dommage, il n'y avait pas. Vous n'avez pas pu mettre. David Hasselhoff. Non, Ryan machin, là, celui qui fait Hercule jeune, là. Ryan Gosling. Il doit pas être bien cher, je pense, hein. Bah, jeune, non. Jeune, c'est vrai. Avec sa coupe, elle est tellement Ah intestable. ouais, c'est clair. Waouh, la mienne aussi, là. Waouh. Il a une coupe dedans. Mes cheveux font n'importe quoi. Voilà, est-ce que là ça marche ou pas? Alors, maintenant, il faut qu'on fasse. D'ailleurs, big up, hein, Panda. Bougez pas, hein, c'est normal, c'est normal. Hop, voilà. Là, après, on prend la cam. Oh là 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 là. Ah, ça y est, c'est fini. La maladie mangeuse de chair. Attends, ça faut que je fasse. Comment on fait déjà? Transformer. Adapter à l'écran. Voilà, ok, ça c'est bon. Ensuite, il faut que j'arrive à prendre la cam et à la rapetisseuse. Voilà. Et si on la rapetisseuse, normalement. Ils vont looter sur eBay. Non, c'est bon, là. Moi, c'est bon. Normalement, nous, J'ai on fait est ma... là. Voilà. Et si je fais ça, normalement, peut-être vous voyez l'écran. Ah, il faudrait que tu vérifies sur ton phone. Je sais pas. Ah, c'est schlapp, parce ça. que sinon, là, on verrait à l'infini... Tu Ah non. crois? Normalement, on verrait à l'infini la webcam et le setup et tout, non? Oh, je sais pas du tout. Ça fait quoi, capture d'écran ou capture de fenêtre? De fenêtre. Ah, du coup, oui, ça va capturer que quand elle est affichée. Mais attends, je vais regarder parce que là, ça, tu.
Ça me... Je sais pas. Donc on ne voit absolument pas. On ne voit absolument pas. Ouais. Bah c'est ça, mais c'est avec avec un écran. Je sais pas comment. Je travaille pas dans ces Mais conditions, là, tu moi. fais afficher écran. C'est chiant. Je sais pas comment faire alors. Mais tu peux pas faire afficher un écran. Ah, on fait capture de la fenêtre. Oui, on peut faire à l'écran. Mais capture tout l'écran. Bah oui, mais si on fait ça. Ah non, mais t'as pas genre capture de l'écran? Chrome. Ouais, ça marcherait. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Si, je peux faire capture de l'écran, mais. Regarde, ça va faire un truc pas beau aussi. Mais ça va être un peu infini au début, mais après, une fois que tu auras switch, les gens verront l'écran. Où c'est, tu vois, écran? Capture d'écran. D'écran. Voilà, ok. Voilà, ça, c'est tout l'écran. Ça. Mais là, c'est bizarre parce qu'en fait, il n'y a pas une vieille protection sur la capture d'écran. C'est pour ça que moi, Peut-être. j'aime bien OBS classique, parce qu'il n'y a pas tous ces bugs chelous. Mais c'est aussi qu'il n'est pas à jour aussi. Ben oui, mais au moins, il marche. Ah, Parce qu'il celui-là, il y marche a des aussi. bugs Je l'ai que j'ai chez des moi. soucis. Il marche. Bah oui, mais comment tu fais pour afficher ton écran? Bah, je fais capture de la fenêtre pour Ouais, mais afficher. du coup, il peut peut-être pas s'afficher. Parce que là, tu vois, je vois très bien qu'il y a des gens qui ne voient pas. Ouais, moi aussi. C'est bizarre quand même qu'on n'arrive pas à montrer ce qu'on regarde. Je sais pas C'est un peu comment on pourri pourrait comme faire. setup. Hein. Comment t'aurais fait pour streamer un jeu, par exemple? Bah, je sais pas. J'aurais fait capture de la fenêtre du jeu. Mais ouais, je sais pas. C'est chelou. Et compatibilité multicarte. Je sais même pas ce que Lise c'est. SAD Panda et teste. De Tiens, quoi? remonte dans les chats.